Poseidon et Preach, c'était de la bonne. On a mangé des vraies pizzas parce que dans les boîtes, il a pas, yank, du vide. Il y a des vraies pizzas, c'est de la bonne, c'est fucking bon. Et en passant, by the way, c'était incroyable. On a parlé de tout... Je suis chaud. <laughs> et euh, on a eu du fun, on a, eu, on a parlé de plein de trucs. On a eu du fun, mais aussi on a parlé de trucs sérieux. On a parlé de genre avoir des enfants, comment c'était, euh, la guerre. C'était vraiment deep. C'était fucking intéressant. Sans parler du Patreon qui était légendaire. Mais, guys, on aurait besoin de vous et j'aimerais savoir c'est quoi les meilleurs bouts dans le podcast Vous pouvez juste faire des timestamps. Timestamp. Time Je pense que c'est ça le titre, c'est ça, ça? Timestamp. Faites juste dans les commentaires, droppez des timestamps pour dire c'est quoi vos meilleurs bouts parce qu'on a de la misère à faire des crises de clips, man. On est trop mauvais, on n'écoute pas nos propres crises de podcasts. Bon podcast! what's good? What's good, guys? i trying to say what point I was. Oh, Shit, I'm that? What's what? Shots. Shots. No, that's stuff behind it. that's Jameson and I think that's energy drinks. What's that? Is it says, It says skirt, 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 skirt. Oh, it's seltzer. It's seltzer. C'est seltzer, right? C'est un seltzer. C'est un seltzer. C'est un Ça, c'est plein, plein de sucre. Yeah, I don't know. think pas que sugar. Non, mais c'est du, du sucre. Ouais oh, oh, mais yo, Biggs, c'est chaud. Ah, oh, mais lui, il oh, no, sent yeah. qu'il y a there's sugar. Non, non, il y a du sucre. Non, il y en a. Il y a yeah. du sucre. Yeah. Mais, mais dans la gare, il y a de la. Lui, lui va boire, c'est sûr, il s'en fout, mais il, il va se défoncer, puis il va conduire dans un autobus d'enfant. Un <laughs> <l> autobus de seltz. À Starlur, un autobus d'enfant. Non, ah, La pratique. Était... C'est impressionnant. non, mais dans un autobus d'enfant. It's too the far, they shouldn't be out. <laughs> J'aimerais juste vous dire, guys, tout le monde, il est 10h du matin, c'est vraiment fucked up. Les gars sont arrivés, ça se passe bien. Euh, OK, tiens, pour toi. Merci. Poseidon, t'en veux. Ah, oh, tu vas en prendre une? Ouais, c'est lui, Poseidon, en passant. Excuse-moi. Je suis Joshua, guys. Yo, guys, monde, guys, tout guys, Tout le monde nous mêle. Puis c'est un honneur pour moi, mais lui est toujours... Ouais, c'est un, euh, un petit peu insultant <laughs> pour... Qui euh... est les projectiles? Ouais, il est fou, hein? Oh ouais, moi, je suis un... Rarely, but I'm here now. This guy's yeah, drunk. Fuck it, yeah, Fuck yeah. it. Pass it around. I'll pass it around. <coughs> Et pour moi-même, oh, je, je, je vais vous laisser la bonne bière. Je vais prendre la vieille PAPS. Ok, hey guys, merci d'être là, man. Dans une mousse, ça me fait fucking plaisir. Et maintenant que je sais que tu habites à fucking deux rues chez nous, ouais. je pense que je vais t'appeler les moments que tu as un peu de temps. Sure, bonne chance. Ouais, c'est ça, je me suis dit. <laughs> euh... Le gars, il était comme, j'ai eu des problèmes avec ce truc-là, là, qui sonnait un peu croche, fuck it. Le, lui, il était en train d'essayer de... C'est pas en train de fuck it c'est juste que, tu sais, ça gâtait les affaires. Là. Mais c'est ça je te disais, je te disais, tu sais, c'est vrai que quand quand le bread, tu te dis, fuck that, je me ferais pas chier, je vais changer. Ouais. Mais quand t'as pas d'argent, man. Ben, tu le trouves. C'est pas si cher que ça, un truc comme ça. Ben, c'est quoi, c'est... 1000$? Ça non. Le roadcast road c'est like 500$ maintenant. Non ils l'ont fait. Oh ah, c'est pas plus cher que ça. Il y y a deux maintenant. Ils okay, l'ont fait moi, je... pour que ce soit tu sais c'est un podcast studio genre easy puis facile, play and play. tu sais Ouais. C'est pas... Ok, moi tu vois tu, vois, tu vois, dans ma tête je pensais que c'était vraiment plus cher que ça. Non. C'est mon studio, j'ai aucune idée. quand ça marchait, c'est bon là. L'interface est nice là. Parce que désolé de vous parler d'affaires de, de podcast. Non, 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 on s'en crie, on s'en on, ah, on, on a trois au studio, tous les différents. On a une deux, euh, juste en cas. Okay. Un avait brisé. Cheers, je dis. Cheers guys. et hey, merci boys. énormément. Hein. Euh, salut. Ah, fuck, salut. Really Cheers, boys. Je suis content, salut. man. Je suis content salut. de vous recevoir. Oh, euh, Yamas. 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 C'est une Yamas qui bat ma criamas. Yamas, c'est Bati qui crie non, Yamas. Non, non, écoute, ça veut dire, ça veut dire euh, village, ouais. à notre santé, puis que le, les policiers restent loin, restent loin de nous. Ok, ok, ok. C'est un peu uh, gangster. C'est ouais. comme le gangster uh, Greek type shit. Là. I got a bite to that. Anyways. All right. <laughs> <laughs> bienvenue, les gars, man. Parce que la dernière fois que euh, Pendelis s'était pointé, il y a eu un chien qui a fait caca. C'était la merde. Fait que là, j'étais comme, ok, fuck it. You know what? On il y, y a un vient... chien qui a fait de caca. Yo, je te jure, bro. Comme un câble, je me promène en bas, genre. <laughs> genre, vrai, vrai, vrai. Non mais ça fait un bout. On n'a jamais rien ramassé. Que... Non, non non mais pour ah, C'était la... du senti. chaos total. C'était de la bonne, de la bonne. Ouais, C'était fou, tout le monde criait. Euh, moi tu sais, j'avais pas le temps, j'ai dit ok, je m'en vais, j'ai une show à faire. C'était fou. Ouais. La vie. Mais j'aimerais juste. l'épisode ben, on l'a pas sorti, mais j'aimerais souvent qu'on sorte des clips de ça, comme si l'épisode était sorti. <laughs> tu sais, comme dire genre, hey, oh, guys, allez checker le nouvel épisode avec Pantalus et Cocotte, c'était de la bonne, da-da-da, il y a un chien qui pète tout, tu vois des petits clips. Mais c'était fun, t'étais là, c'était fun, non? C'était bon. Ben, c'était ouais. bon. Sors, ouais, sors au moins juste les clips les plus drôles. C'est exactement ce que j'aurais pas dit au team, mais là, t'es là, là. Toi, il t'écoute. Moi, il ne m'écoute pas. J'ai l'impression que je suis comme pas un boss. Genre, je comme... Moi, je me sens comme un boss, mais finalement, j'arrive, tout le monde est plus boss que moi. t'as des pensées que tu niaisais, que tu voulais pas vraiment le sortir. 100%. 100%. Puis, puis, Preach arrive avec son gros code de cube, il est comme, shit, j'habite à deux rues, tout le monde est comme, ah, oh, c'est lui le boss. <laughs> c'est lui le boss. Là, c est, c est... Moi, je suis comme, yo, oh, big, je suis là depuis tout le temps, man, what the fuck, mais... mais un uh -uh, je... <laughs> an. Mais, mais oui, oui, je suis allé six mois avant, tabarnak. Mm -hmm. C'est pas assez, c'est pas assez. Sinon, comment vous allez, les gars, man? Très, Très bien, bien merci. Busy, fatigué. Ouais. Vous avez toutes l'air crevés sauf lui. Ben, moi j'ai une, une infection à l'un. gars qui travaillent, J'ai une infection à l'un, mon gars. <laughs> non, non, mais c'est C'est comme c est c est pas... une infection qui ne se pas attraper. Non, non à chaque deux semaines, il y a quelque chose avec ses oreilles, ses yeux, son nez. C'est incroyable. C est... C est... Tous ses orifices <laughs> ont des problèmes à chaque deux semaines. L'autre <laughs> fois, il était comme Yo, j'ai une sty, j'ai une cyste dans mon œil, je dis ok, le reste loin de moi ». il dit non non c'est pas contagieux, après trois jours, yo ça commence dans l'autre œil, j'étais comme mais ça c'est contagieux, <laughs> bro, ça c'est <laughs> contagion, d'une <laughs> contagion là quand ça se propage. puis t'sais. là il a fallu que j'aille l'enlever en plus, ils m'ont coupé le le comment qu'on dit le, le cil, l'eau de l'œil, la paupière, la paupière. Puis ont, ils l'ont sorti. Puis là, la madame était là. Ils, ont, il... sorti. ils ont sorti. Qu'est-ce ben, qu'ils ont sorti? Parce que j'avais un steak. C'était comme une roche qui était coincée dans ma paupière. Puis là, la madame, là, elle tirait, puis ça s'enlevait pas. Fait que là, le monsieur, l'autre docteur qui était là, il a poussé la madame, il a fait Garde, moi, je vais le faire. Puis là, lui, il tirait, puis ça s'enlevait pas. Il t'a le... juste enlevé ton œil, il a enlevé il la a roche, a qui il t'a remis ton œil. Il coupe, okay, je sais pas, jamais, jamais, jamais ah. mais j'avais mal. Mais tu correct, là? Wow. Ben là, j'ai une infection. OK. Fait que c'est autre chose. Là, c'est autre chose, mon gars. Puis à matin, je me suis réveillé, je pensais que j'avais fait que là j'essayais de l'enlever j'ai rentré un q-tip j'ai rentré mon doigt ça sortait pas fait que là parce que j'étais rentré quand... un q-tip dans ton œil il y a ouais. 45 ans lui il va être pas canadien <laughs> <laughs> sauf que dans ma tête q-tip ça va dans les oreilles là, pas dans l'œil ça là, va même les... pas dans les <laughs> oreilles c'est le q-tip la vérité c'est juste l'affaire blanche là du q-tip c'est dans ses oeils, son œil puis le, le médecin médecin comme qu'est-ce que tu fais là dedans bro Eh, <laughs> hey, mais non mais ça va pas dans une oreille ça va pas dans un œil ouais ouais mais parce que je pensais que j'avais quelque chose fait que là je pensais que ça sortait pas là, j'étais tellement fâché. Vies, je vais rentrer d'autres choses. Non, mais j'ai commencé à frapper. Je vais rajouter, bro. Pire, Pire. ça ouvre Pire, j'ai commencé à frapper ma tête sur le mur parce que ça wow, se Waouh, yo, pas. je vais dire. En plus, t'imagines comme le gars dans Mommy. Tu sais, le gars dans Mommy, quelqu'un qui a, qu a, qu a, qu a un <laughs> genre de coquerelle ou je sais pas quoi, il a un gros scarabée qui rentre dans ouais. le corps puis il commence à courir. <laughs> puis il rentre dans le mur, là. C'est lui. C'est ouais. ouais. la scène dans Mommy, là. Je sais pas si vous vous en souvenez, là, mais en tout cas. Ça fait un longtemps. Ça m'a marqué, le moi. Vous avez quel âge, vous êtes tous plus vieux que moi, là? Yup. Yeah, for once. C'est vrai, ouais, ouais. ouais. Juste lui, peut-être, il est plus jeune que toi. T'as quel âge? 35. Wow. Ça veut dire quoi, ça? C'est ce sûr. le plus jeune. jeune. Ouais, C'est 30 oh, ans. C'est moi le plus jeune, mais j'ai l'air du plus vieux. Ouais. Il a l'air d'être divorcé, mais il a ah, 30 ans. C'est ça. ça. T'as l'air d'avoir eu deux mariages, genre, <rire> <rire> aucun bon. Two failed marriages. Tes affections à l'œil sont pas bien, mon enfant. Deux enfants qui taillissent. <laughs> les pires médecins dans l'industrie, là. <laughs> t'as <'es> quel âge? <laughs> uh, 36. 36. Ah, ok, ok, ok. So we good. Il uh, y a juste lui qui dit pas son âge, j'ai 41. Là. Oh shit, 41. Ouais. Oui, j'ai quel âge? Hé, hey, t'as 40. Bah, c'est ça. Les blacks, ça, ça paraît jamais, man.

Arrête, dashbo, non, non non c'est de la pas bullshit, bullshit c'est moi qui vis ça. Bon, ok toi peut-être mais c'est pas vrai que lui... tout le monde vit ça là. Non, 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 mais il y a un âge, un moment donné ouais. que tu Sors tes petits doigts pour compter. là. Ouais. Non, moi, moi, à chaque année, 80, je suis comme Ouh, je le sais en tabarnak, j'ai 36. Pas assez de 37. 37. Attends, attends ouais. tu vas commencer à faire plein, plein de shit, tu vas t'occuper, tu vas t'en foutre pour ça changer. Ah ouais, t'as fait comme hey, pour de vrai, ma oh faire. Non, 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 je ne dis, dis pas parce que je les compte que ça me fait quelque chose, dans le sens où je m'en calisse. Je veux dire, moi, je suis still, still, still young inside. Yo, mais ce mais, n'est si mais, si mais, pas à cause de Google qui me rappelle à chaque année ou lui qui m'envoie. des il hey. y a des fois où j'oublie, puis c'est ma fête, puis c'est déjà une heure de l'après-midi puis j'ai reçu un message pis j'ai comme oh fuck it's true it's my birthday on s'en fout bro on est des adultes faut t'abonner on arrive ouais. avec comme genre un mm, special day et puis ouais. comme ouais puis oh, moi je pense que c'est sa fête ah non Chris, c'est moi c'est ma fête Mais <laughs> <laughs> oui je savais je savais <rire> 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 ça m'est ça déjà arrivé ça m'est déjà arrivé, ça arrivé. Ouais. Ouais, moi ça m'est jamais te sortir, arrivé faut te sortir tes petits doigts pour compter peut-être ouais. moi moi, moi je suis le contraire là. moi c'est comme mettons, à ma fête de 34 je pense déjà à comment je vais fêter ma fête de 35. Là. Moi, je suis, un, je, suis un, je, je suis un party animal. J'adore quand c'est ma fête. Je, je vais foutre. Je suis comme, shit, who's gonna make a surprise party? Jamais personne. Fait que je les organise moi-même. Mais, mais shit is really crazy, man. propres surprise party.

non, c'est pareil, je ne sais même pas de story où est-ce que je suis comme. Hey, salut tout le monde, ça va, genre? Non, mais En partant de Hey, salut, guys! C'est la petite story. Non, c'est ça. Hey, what's départ. up, you guys? Non, je suis pas. Je pas, pas euh, trop trop sur les réseaux sociaux, toi. Hey, je suis sur les réseaux sociaux, mais je ne vais pas poster. Il y a des bons moments. Euh, je ne pose pas des affaires personnelles. Toi, ouais. tu fais rien que des. des, 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 des le personnel, là, je garde ça personnel. Ce ouais. n'est pas pour rien que ça s'appelle personnel. Mais je ne pose pas, je ne fais pas de contenu avec ma vie privée juste ouais, mon, mon petit havre de paix. mon vrai? chien. Juste mon chien public, mais ma femme, ma, je... ma mère, euh, mes amis, tout ça, euh, je ne l'aimais pas. Mettons mon Instagram, c'est pour ce que je fais. C'est pour l'humour. Ben, c'est pour l'humour, mais mostly. Euh, business, business yeah. Je rien posté de où est-ce que j'ai, où est-ce que j'habite, qu'est-ce que je fais, euh, où est-ce que... Qu qu'est-ce Mes possessions, tu vois, t'as pas, pas un channel avec mes véhicules ou whatever. Ça serait weird. Je trouve ça. Il ben, y a du monde qui font. Il y a du monde qui. Tu sais, quand tu fais sur Facebook, le gars, il s'achète un nouveau char, il une photo de son char. Mm. Ou euh, devant. Moi, tu sais, c'est correct. Ah, j'ai ce déjà posté une photo devant mon, un Ciplex. Comme une bitch, mais c'était mon premier. J'étais fucking fier. Non, ça va. Moi, j'ai ouais, pas, pas de problème. Ouais, j'ai pas, pas de pas ça. problème si quelqu'un le fait. Ouais, moi, je veux juste que Vas-y, poste tes shit. Mais que je mixe ça. Moi, je veux mes affaires personnelles, c'est à moi. Tu veux vraiment séparer. Moi, moi j'ai de la misère avec ça parce que je suis trop fucké. J'ai de la misère à séparer les trucs. Pour moi, c'est ma vie. Aille, mes amis sont ségrégés. Ouais, moi aussi. Mes amis sont compartimentés. Là. C Eux, ils sont là. Ça, c'est mes amis de d'humour. Ça, c'est wow. mes amis de, de la face. c'est mes amis de danse. T'es-tu aussi structuré, genre, mettons, chez vous, genre, mettons, t'as des top aware. T'es comme, oh shit. C'est pas moi qui structure ça. C'est ta blonde? Non, c'est la femme de ménage. Ouais. Hum. <laughs> non, non mais je veux je... de... By the way, Paul Twist, c'est lui la femme de ménage. <laughs> non! Real talk? Euh, ah ouais, euh, je m'habille en. C'est sûr, euh, sûr qu'il euh, nettoie tout le crush, ce gars-là. Euh, euh, de... Lui, arrive, il fait du ménage. Avant de partir, après avoir fait le ménage, tout il monte un gros infection. étron dans ta, <laughs> toilette>, ta toilette. Il, est comme, il te cloche pas, le Chris. Ouais, puis il est Chris. Il laisse le Bye! Jobs done avec euh, un groupe. de Non, je pense que un, ouais, ma blonde va organiser ça. L'espace, Marlon organise les affaires à part mon espace, à, mes espaces à moi. Euh, Mais surtout que toi, tu dois, tu dois faire beaucoup de, de voyagements, genre n'es euh, T'es jamais nécessairement. T'es pas tout le temps au Québec là. Non. non Est-ce est que c'est est -ce est souvent genre, tes voyages? Euh... Ça a toi, là, à toi, ça va, ça va, ça va. est reviens de France, là, right? Non. Lui était aux États-Unis. Il faisait des. C'est quoi, j'ai vu le truc que t'as posté, il est pas long. là. Ah, c'était tourné ici, ça. Mais c'est juste que. Ah, c'était tourné ici! C'est le festival de Montreux qui est venu. Exact, c'est ça. Moi, je pensais que c'était en. Il en cet été puis il a fumé des affaires. Mais non, dernièrement, j'étais où? Dans la place. Oui, aux États-Unis. Il était parti de Chicago, Atlanta, il fait tout ça. Mais j'étais où? Non, mais je repars cet hiver, dans fond, pour la tournée. On a fait des tests une tournée aux States. On a fait. Pittsburgh, Washington, puis Détroit. Ça. Comment tu vis ça, les gens parlent, mais genre, comment? Pourrais? pas très mal, mais c'est fucking <laughs> weird. Pas que je, je, vis pas, je pense que je vis relativement bien. Avou, tu vis très avou, bien. Avoue avou que c'est weird. Non, bien, mais le fait qu'ici, oui. on dirait que t'es connu. connu J'ai vraiment deux carrières distinctes. C'est ça, c'est ça qui est mais weird. Les gens, quand je dis que c'est weird, personne comprend jusqu'à temps qu'ils le vivent avec moi. Yo, 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 Et yo. là, ce qui est arrivé à un moment donné, c'est qu'on est parti à New York. Avec Mike Ward pour aller voir au Bain Mercier se battre. Okay? Ces deux-là sont, sont avec nous. Là. Fait que, ça fait un vrai un an. Ils sont avec nous. Là, tu comprends? Fait que eux, je leur dis que c'est weird. Ils sont comme, OK, preach, ils disent que c'est weird. Jusqu'à temps qu'ils ouais. vivent ça, moi, mettons, à Times Square. Première on... journée, on n'était même pas arrivé à l'hôtel. <coughs> on marche, puis c'est toute une gang. C'est nous, uh, Chris Ramsey, um, uh, Charles, Mike, tout ça. Il y a un gars, c'est un chinois sur une bicyclette, bro. Oh, ouais. C'est l'affaire la plus random à New York. Plein de monde, right? Bicyclette. On est toute une groupe ensemble. Il fucking, il pipe, uh, preach, il voit. Il le spot là, de loin. Là. Oh, là, preach! Oh! <laughs> Moi, je commence à rire, bro. J'ai comme cinq, bro. On part de Montréal, on arrive à New York, complètement aléatoire. Euh, euh, C'est un chinois sur une fucking bike qui roule vite, mais il catch preach. Puis commence, à, puis après ça, ça, ça arrêtait pas. Au resto, sur Times Square, Times Square, bro, des femmes qui marchent. Oh my God, it's preach. C'était.

le gars qui travaille là bas des gens qui rentrent holy shit preacher c'était fou puis ça c'est tu de Montréal lui alors c'est drôle pour lui il débarque à New York puis tout le monde est comme oh mon dieu preacher là c'est encore plus drôle pour Mike mais est-ce que c'est parce que Mike est comme ah c'est que c'est un tabarnak tout le monde te reconnaît ah c'est le mec en plus c'est le mec pour de vrai tu ne l'as pas vu mais lui là il te reconnaît tu le trouves ça lui tu l'as pas vu lui tu l'as pas vu, l'as il te reconnaît Ce gars là il est comme c'est juste qu'il est super fier, tu comprends? Fait que lui, il trouve ça drôle. On a fait une petite compétition. On attaque un autre Chris Ramsey. Chris, Chris Ramsey. Fait que moi, Chris, puis Mike, on a fait une Chris compétition. Chris Ramsey, quand même. là. C'est ça, puis on a fait une compétition. Non, mais, mais moi, j'ai eu, eu plus que lui parce qu'on comptait euh, le Manusco Square Garden, qui était plein de Québécois. <laughs> Québécois. Fait que qui allait se faire reconnaître le plus? Je pense que Chris, eu, il se fait reconnaître cinq fois. Lui, six. Mike, huit <laughs> fois. Moi, je me suis attendu à connaître 29 fois. Euh, Puis c'était partout, bro, dans la rue. Ah, bien, bah, euh, C'est c'était une fierté ou c'est quelque chose qui te rend un peu. C'est fierté, euh, à travailler pour Mais ça. Mais moi, je trouve ça insane. Ben, gens... c'est nice, impressionnant. Hein. Tu sais pourquoi c'est impressionnant? New York, c'est pas comme Montréal. New York, quand tu marches dans les rues, bro, c'est plein de gens. Tu vois ah, juste ah, des visages. Alors, pour que tout le monde tu le plein. cloques, ah, pour que tu ça veut dire que tu consommes sa contenu, son contenu en masse. C'est. C'est impressionnant, ça veut dire qu'il est vraiment rentré dans la culture. Puis lui et Abbas, ils ont vraiment rentré dans ça. C'est vraiment weird. C'est cool. ça, vivre ça, c'est où? Parce que je suis le même dude. Là. Mais est-ce que, est que tu. Est-ce que c'est une des raisons pour laquelle tu n'as pas fait le. Est-ce que tu ferais le move d'aller vivre là-bas ou non? On va voir, man. Si si vraiment, mettons, tu as un gros callus um, de contrat, tu bougerais là-bas. Ben, bouger, c'est un gros terme. Je ne suis pas nécessairement bouger tout le temps. Je peux bouger momentanément. De toute façon, je vais m'acheter probablement quelque chose. Ailleurs, t'as un pied à terre. Euh, pour, pour ça ferait du sens, là. Business-wise, ce que, serait -ce logique. c'est ça, est-ce que je bougerais là-bas? Là, je peux juste te répondre, on va voir. Qu'est-ce qui va arriver, tu sais? Je vais aller voir qu'est-ce qui se passe avec la tournée, qu qu'est-ce qu que ça va découler, qu'est-ce qui peut arriver, tu sais? Puis dans ton. Ok, mais j'ai une question par rapport, mettons, à, à ton humour, là. Ouais. Vraiment le stand-up. T'as t'écris, est-ce que tu, tu, tu réfléchis à. à, à à ton public là-bas Non. Ou tu, tu fais non, juste non, non, vraiment... Qu'est-ce que, qu que, que, qu que, que, que tu que trouves drôle, puis la titre Qu'est-ce que je trouvais drôle, qu'est-ce que je trouvais intéressant, qu'est-ce que... Tout ouais. le monde qui vont être attiré par ça vont venir vers toi. C'est ça, tu sais. Après ça, tu moi, faut que je trouve ça drôle. Des fois, là, des fois, je fais des jokes, puis je ris type ri, de mes jokes. Là, le monde est comme ça. Ah, c'est fucking cringe. Mais, Chris c'est bon. <laughs> c'est bon fucking ça so, that C'est que des fois aussi Quand on fait de l'impro Je suis surpris que toi quand ça sort de ma bouche là. <laughs> je, commence, je peux pas croire que j'ai dit une connerie Asti, Non seulement j'ai dit ça C'est bon c'est actually fucking bien placé ça a marché uh, ouais. Yo, On gamble les autres là. Yo, Quand on fait Quand on fait des affaires là, quand On fait de l'humour On fait de l'improvisation on, on gamble ouais tout le temps. On ne sait pas. On ne sait jamais si ça va marcher ou pas. Patrice O'Neill. Remember that? Patrice O'Neill le dit une bonne joke puis une mauvaise joke, là. Ça vient du même endroit dans ton cerveau. Tu vas le savoir s'il est vraiment drôle en la faisant. C'est actually fucking real. Mais c'est vrai, c'est vrai. c'est juste C'est tellement simple à dire, mais c'est vrai. C'est tellement simple à que tu penses que ça va être drôle. Finalement, c'est pas tant drôle, OK, puis est-ce que. OK, mais le fait que tu fais de l'humour stand-up en anglais, ça vient de où, ça? Tu es anglophone que je... à la base Non, je suis francophone mais je peux. Si tu peux pas, si je peux pas pas juste, parler... juste 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 eu la ben, twist. J'ai comme une ouais, je grandi en français, je en les deux langues. Mm, pour les mm, immigrants. l'anglais, mm, l'anglais mm. c'est pas un problème. C'est un atout. Ouais, mais si tu parles à beaucoup de québécois, c'est un problème. Mm. C'est un, une... comprends pourquoi C'est un avantage. Oui, ah oui. Sauf que je comprends mais... pourquoi, je comprends pourquoi le contexte politique, le contexte historique je comprends que ça peut être une menace, qu'on est entouré d'anglophones, on est entouré d'anglais, ça peut créer une menace. Sauf que je trouve que penser comme ça, des fois, ça peut nous mettre un peu des ballons dans les roues. Qu'est-ce que j'ai remarqué avec mes amis immigrants euh, ou leurs parents, ils voient plutôt ça comme un atout. Fait que nous, moi, j'ai grandi en anglais. Fait que autant que je passais mes étés ici, mais je passais mes étés en anglais aussi avec mes cousins. Soit ils venaient ici, soit on allait là-bas. Fait que c'est juste une facilité. Après ça, je, je peux le faire en anglais. Lui je le vois. À un moment donné, on a commencé à chiller ensemble. Puis j'ai dit, hey, dude, qu'est-ce que tu fais? Tu parles français. À un moment donné, je savais pas que tu parlais français. Ouais, ouais, j'étais ouais, comme, mais... yo dude, tu parles français. Fais de l'humour en français. Fais-le plus que on tu veux. En étant ici, tu sais, ouais. rendu-là. Bah, c'est rough ou veux, veux pas en anglais faire de C'est stylé mots. avec son accent. Je vais pas te, dire, je vais pas te mentir que comme... C'est pas n'importe quel anglophone qui pourrait avoir l'accent. Mais son accent, lui, c'est fucking drôle. Ben, c'est <laughs> le mélange de genre grec et, et, et anglais. C'est ça, mais c'est. C'est ça l'affaire. T'as un atout, fait. Si tu peux le faire. Okay, j ai, j ai, autant que moi je fais de l'humour en anglais, moi j'ai dit, yo fais le switch. Ouais. Fais les deux. Si tu peux faire les deux, fais les deux. Puis c'est ça que je fais. C'est ah, de la le bonne. Hein? C'est de la calluse de ouais, la bonne. puis vraiment fucking bon. Est-ce que, est que, mettons, euh, quand tu fais de. Quand, quand tu pars en anglais, est-ce que tu as le. le, 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 le la, la traduction dans ton cerveau ou t'as vraiment une switch qui ouais, fait comme... Non, mais c'est pas efficace. C'est ça. Faut, faut que je pense que à un numéro. Parce que faire un numéro, mettons en français, Amen, I c'est. Parce tellement... que je vais te poser la même question après, là, parce que je veux savoir comme toi de ton côté. Parce que c'est complexe. Ouais. Les, les tournois sont pas, pas, pas pareils. Les, les Français, les francophones, les anglophones. Ils, 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 rient, pas ils sans, place, ouais. rient pas de la même chose. Ils rient pas de la même chose. Il y a des choses qu'un que francophone va trouver drôles, qu'un anglophone va être euh, insulté, vice-versa. Ou qui va juste être comme moi. Fait qu'il faut, faut que tu aies tourneur de phrase, il faut que tu aies, aies pensé à ton affaire avant. Mais j'imagine qu'au long terme, ça vous aide d'avoir les deux, les deux humours, que vous vous nourrissez des deux humours. C'est sûr que vous ça, mixez... ça nous aide, mais c'est juste, tu ne peux, fa... peux pas répéter les mêmes affaires exactement de la même manière. Tu ne peux pas traduire straight ça. up un show en français, le traduire en anglais, non. ça ne pas. Non, puis ça ne marche pas quand tu essayes de répéter. Comme tu as lu ton texte puis tu veux juste répéter exactement, ça, ça doit être naturel. Alors, même si ce n'est pas ta langue maternelle, si tu fais de l'humour dans telle langue, tu sais où tu veux t'en aller avec une blague. Tu dois être naturel. Même si tu as des erreurs en temps, pendant que tu t'amènes tu à ton punchline, c'est meilleur comme ça. Que de répéter comme si tu lis un texte. C'est pas fun ça. ça. Ça doit être naturel. Ben, sinon, ça, dans ça toutes pas. les langues, c'est pas le fun. Là? Mais je veux dire, parce que ça arrive, j'ai des gars que qui je leur pousse à le faire en français parce qu'ils sont francophones, mais panique. Alors, c'est comme s'ils lisent un texte. Puis la joke est bonne, le concept est bon, tout ça, mais ça marche pas, c'est pas drôle parce que. C'est le pas delivery naturel. qui est pas bon. Oui, le delivery, des, ça fait peur. Des fois, tu ça regardes la fait, personne, tu comme Ah, hmm. je sais ce que tu as voulu dire. Je, ce que t'as voulu, faire? Que as voulu que je vois, faire, je vois, je vois, vois le théâtre, la tournure mais... de phrase est. Off. En français, une joke peut être mauvaise juste à cause de la tournure de phrase, ouais. parce que le référent est pas clair. Fait qu'imagine juste quand tu traduis dans une autre langue. Tu sais, mettons là, t'as pensé à ta joke là, pis en français, t'as écrit ta joke en français, mais la tournure de phrase n'est pas efficace. Ça va faire que le monde rira pas. Mais je pense que t'as mal compris ma question. Dans le sens que je voulais dire, c'est quand mettons, quand tu fais de l'impro toi en tant que parce qu'à la base c'est francophone. Ouais. Est-ce que, te... Est que tu, Est-ce que moi je peux parler anglais mais dans mon cerveau, il y a comme faut que je traduise avant de le faire. Fait que tu sais mettons oh, faire de l'impro en anglais. Fuck, man. Non, non pas moi. Je... Non pas moi. C'est une en switch anglais. qui s'allume. L'affaire qui arrive n'importe que quelle langue que je vais parler ou l'accent que je vais avoir, c'est parce que je quelqu'un. quelqu'un. OK. Ooh, fait OK, ça c'est actually fucking intéressant. Non non, c'est pas Essentiellement, dans ma tête, j'ai plusieurs okay, personnages ils ont une différente voix, ils ont une différente intonation, ils ont une différente posture. Ça. Euh, non seulement ça. le diable. Actu yes. <laughs> Actually, yes. Euh, Actually, mettons si je parle, mon accent anglophone du Nord est plus bas que mon accent du Sud, et mon accent du Sud des États-Unis est plus bas que mon accent normatif du, de, 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 de l'Angleterre. Comme mettons si je parle. Uh, if I speak in English like with like like a normal East Coast Northern accent, it's gonna be sounding like that. But if I if I speak like a, a little bit of a you know a little thwang in my in my, in my, in my thing when I speak and I speak a little bit for like from like like the people from the south, Texas, it's, gonna, yeah. it's gonna be a little bit higher up, right? But you know what? If I speak like that, it's gonna, the intonation is gonna be a bit higher, yeah. Fait que juste ça, c parce que c'est trois différents personnages en ma tête. Ça, 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 ça doit t'aider. que Quand ouais. que je switch, mon Québécois, c'est un autre personnage. Quand je parle en français, encore là, en français, j'ai différents personnages parce que je suis habitué à code-switch. Parce que je habitué à qu'on Twitch, nice, non, non. Mon, 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 mon keb, mon keb, il est là, là. tu comprends, il, là, il va être là, il va être différent. Mais, mais est ici, là, il est pas ici là, t'as On va, se, va, dire une après, là, on va se calmer. Sauf là, que peu, là, yo, là. si ah ouais. je parle, mes partenaires ça va être un différent shit, tu comprends? Hmm. L'accent va être différent. Les mais les, tu les, restes les, la même personne, tu vises la même humour. ça, ça vient juste de quand je grandissais, quand j'étais petit cul. Parler chez nous avec un accent québécois, je me faisais battre. Parler avec un accent haïtien avec des Québécois, je me faisais battre. Fait que fallait que je switch. Fallait que je prenne. Fait que c'est devenu des personnages. Et ces personnages-là, en humour, sont là. Donc, quand que je fais, mettons, de l'humour en anglais, j'amène mon, mon personnage, qui est moi. Je ne hey, change hey, pas hey, de hey, C'est toi, toi moi, euh... mais c'est une carapace. Mais il y a des trucs, que, des codes que je vais aller chercher pour euh, que les gens comprennent de quoi je parle. Tu comprends? Donc, si je m'en vais, là... Euh, je selon selon les jokes que tu vas faire, si tu fais des jokes, les jokes exactement. de, de région, tu vas utiliser la si de région. Mais, 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 juste, juste dans, si. dans, les, dans les, tous les jours, si je m'en vais en région, euh, puis une place, mettons, qui est moins habituée de voir des noirs, où il ne sait pas je suis qui, je suis un ce qui, le fait de parler comme « Hey, comment est-ce qu'il va ?»« Tu vas au dépanneur, là, je paye mon gaz. »« Comment est-ce qu'il va ?»« Ah, oh, il va bien. » Tu viens désamorcer l'affaire parce que mm. dans la tête de la personne de ton interlocuteur, lui, il est comme « Ah, il parle comme moi, lui. »« Ah non, il est beaucoup plus proche. » Un, ça veut dire un étranger, mais le, le comment ce qui va désamorce des affaires. Tu comprends? De la même façon que si je vois des, des, des Grecs, je vais commander, je disais Faristo Parapoli». Faristo. Merci, mmh. Merci beaucoup. Moi, j'ai écrit ah. le N-word. Le... <laughs> 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 mais parce que je parle comme eux, y a, y a, ça désamorce des affaires. Tu, sais? si tu parles dans même langue que la personne. ou mais je comprends très bien. Mais est-ce que, est que, est que, fais... est que justement, en étant. Euh, parce que ça fait quand même longtemps, hein, si tu me dis qu'il y a 41 tout, tu as commencé les. C'est combien de temps que ça. Excuse-moi, man, j'ai pas fait mes recherches tant que ça, là, mais je veux dire ça fait combien de temps mettons que ça roule là, véritablement? Là? Est-ce que ça a roulé avant ailleurs ou en premier au Québec? Je comprends pas ta question. Est-ce que ça a roulé l'humour au Québec ou ça a commencé à rouler ailleurs, avant? Ou est-ce que vraiment, c'est le fait que ça a commencé à rouler l'humour au Québec, puis à moment donné, tu t'es dit oh, you know what? Puis là tu commencé à remplir l'anglais ah, là-dedans. Là, en même temps, c'est quoi rouler? Rouler. Ben, rouler, non, mais dans le sens... C'est où t'as te, roulé ta bosse? Dans le sens où YouTube, money, mais baby! Ben, les deux. deux c'est sûr que 90 de mon revenu, c'est sur YouTube, ça fait que c'est en anglais. 90 de ma job, c'est en français. Bizarre, hein? Weird. Oh shit. 90 Welcome wow. oh, to the real world. Oh, c'est ça, c'est vraiment ça. 90 de mon revenu, c'est... Fait que rouler... Moi, je voulais juste payer mes billes. Là. Hmm. Le mais reste, c'est du fucking good gravy. Mais je voulais payer mes billes. Fait mais que ça Mais commence... tu commences à ma question, est-ce que, est hey, que c est tu que considères que Ok, laisse moi le commencer. Comment, comment tu. Est-ce qu'au est Québec, tu as, euh, as la même euh, notoriété qu'aux States non, ou non Définitivement pas. Mais il y en a de notoriété au Québec as aussi. De notoriété, je clairement. De notoriété, clairement. Oui, mais que moi, non, c'est C'est pas comparable aux States. Mais ouais, je comprends et... parce que moi-même, en tant que bon Keb, qui. qui, 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 qui ben, italien Keb, là, mais je veux dire, dans le sens où je suis comme, preach, je suis comme, oh shit, je sais que ça roule. Ouais. Et dans ma tête, mais, ça mais, roule mais, plus en anglais. Mais personne ne sait que ça roule. C'est ça. Moi, Moi je sais que ça roule le parce le que, que je suis que, un peu une ben, Parce que tu es, es un peu dans le YouTube game, tu connais comment ça yeah, fonctionne, yeah, yeah. whatever. Tu peux voir, tu crunches les numbers, tu es comme genre, mm, ça doit rouler pas pire. Le commun des mortels ne me calcule pas. Et à ce point-là, -là, t'aimes ça, hein? T'es comme un smooth. On apprend un problème euh, avec euh, l'argent au Québec. Yo, yo, fuck. Je suis content que tu en parles. Faut quand je, quand je je... pas mettre ta casilla en avant de chez vous, là, sinon... Ils vont... Non. C'est ça, là. C'est pour ça que Poseidon, il fait pas de l'argent, il veut pas de problème. Poseidon, <laughs> 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 <Juste rire> yeah, il est yeah, comme... Yeah. I, I make, make no money, it's perfect <laughs> over here. <laughs> Mais c'est vrai, ils ont eu des problèmes ici avec la. Ouais, je sais. Mais est-ce que ça, c'est une... une question de culture, là? Mais qu'est-ce euh... qui a amené ça au Québec? Euh, notre passé judéo-chrétien. Straight up, C'est plusieurs affaires, c'est le passé judéo-chrétien et aussi le fait de notre rapport avec les Anglais. Ceux qui avaient... non on n'était pas. Généralement, des ceux, qui cash, était les ceux, ceux qui avaient du cash, c'était les, les anglophones. Ceux qui avaient du cash, c'était les anglophones. T'avais du cash, tu te pognais plus pour un... Tu sais, on a comme eu les mêmes problèmes. T'étais comme un... Si tu tapais sur la tête des, 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 des Québécois francophones, mm, euh, ou mm, si l'Église, il mm, fallait que tu donnes mm, toutes tes possessions mm. à l'Église. Même ton que... fils. Oui. Pour, pour une chèvre ou des, chef, des hum. shit, whatever. Oh, non, pas <laughs> up, 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 pour up, le up, curé, anyway. Une offrande, c'est une offrande, on mais, yo, mais mais parce que maintenant, moi, moi je a parle hold hold. <coughs> a hold a hold. <coughs> Un trou c'est un trou t'as C'est c'est pas mal mais, ça notre passé qu'on a c'est Mais tu penses ça vient de là à quelque part mais qu'est-ce qui fait que c'est encore actuel en 2023 pas... on a de la misère à, ça, à, on a de la misère à passer au, tra au travers de tout ça parce que moi je me souviens moi mon, mon moi je suis quand même euh, italien puis genre mon grand-père est arrivé puis lui, il était fier il montrait son âme, puis ça ben, passait mieux italien ça passait mieux ça à cause qu'il était italien mais ben parce parce qu'il n'y a pas le pas même passé, ils n'ont ah. pas vécu les mêmes affaires en Italie. Mais même les Québécois regardaient ça ils étaient comme « Yeah, l'Italien, ouais, il l'a eu ». Au moins, parce que l'Italien, tu sais, il vient ici, c'est plus difficile pour lui, il ne parlait pas la langue, c'est un Italien. C'est un pas, étranger qui un est riche. C'est un, un étranger qui a de l'argent. Qui n'est pas anglophone. C'est un Québécois. Mmh. Un, mmh. un Québécois, c'est comme « T'es un de nous autres, puis là quoi, tu penses que t'es mieux que nous autres ?» Mais lui, tu viens d'ailleurs, t'as de l'argent. Pour de vrai, au Québec, on aime beaucoup l'étranger en France, on, on, en France, on est comme oh, les Français, oui, un Français qui est un peu pire, on a comme un espèce de, de complexe d'infériorité qui que euh, arrive ici. Puis c'est un complexe d'infériorité définitivement culturel. Ben, tu l'entends dans le langage Ah oh, vous savez les Québécois on est nés pour un petit pain, femme taillée. Ah, le, le, le petit peuple, le petit peuple, ah, le petit ah, Québec ouais. né pour un petit pain, le petit 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 tout est petit là. On veut pas prendre de Quand place. est-ce qu'on va, va changer manger? ça? Ben, c'est ça ah, est podcast comment... là le talent de non, mousse on ça, doit ça avec cette génération parce que c'est drôle tu on parle comme ça beaucoup ici C'est comme si on n'a rien puis c'est petit ah, barnaque, mais hein? tous les autres qui pas artistes, de... si tu regardes comme dit, beaucoup, au Canada ils sont jaloux de qu ce qu'on a ici mais nous on est comme oh c'est petit ça vaut rien puis tout le monde d'autre nous regarde puis se comme Yo, what the fuck comment est-ce qu'ils ont accompli ça alors c'est c'est notre faute à nous, on doit changer ça, man. On a réussi à avoir un star system au Québec. C'est yeah. big, c'est parce ouais. que. Ben, il y, y, y a ça, puis il y a aussi le, 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 le fameux preach qui pogne ailleurs, nanana, que, que le monde ne savent pas trop trop. Des high classified de ce monde, des. des, des, des bah, ben, là, ouais. je parle de la musique. High classified fait de la musique en anglais. Exact. Ça. ça, je te dis le Chachou fait de la musique en anglais. Chachou, high classified. Kate Renada. Kate Renada, qui est un de mes boys, là, mon hood, man, à saint big. C'est tout du monde que moi, je suis comme. J'ai trouvé dope avant. Plus, on en parle tout le temps. Quand Quand ils ont percé ailleurs. Ah, c'est l'indion, c'est pareil. Régloisine, c'est pareil. Mais c'est là où rien. je suis comme, Chris, guys, wake up. Il y a du talent incroyable au Québec. J'ai un peu give up là te dirais, franchement. Ouais. Hein? Est-ce que, ouais. que c'est par rapport à ton âge Peut-être aussi, tu te dis, j'ai 41 ans, j'ai plus le temps de me battre pour ça. Là. Moi, je suis rendu à genre, je veux, je veux payer ma maison, je veux, je veux je pas, faire mes chips, à... je veux avoir la colise de paix aussi. Mais sais pas. Je suis ben, personne moi pour changer qui que ce soit là. Mais ce pas une question d'être quelqu'un de plus gros qu'un autre. C'est une question d'être quelqu'un. Non, je n'ai pas la force. j'ai pas le pouvoir. Mmh. Moi, je mets mon trop opinion. Je ne suis pas d'accord, man. Je ne suis pas d'accord. Mais non, non, non. non je ne peux pas changer tout le monde. J tu peux pas être d'accord, mais j'ai pas ce pouvoir-là. Je suis d'accord que t'as pas ce pouvoir-là, mais... Ni de l'énergie. <laughs> ce mais c'est ça, c'est là, là mon point. Parce que même moi, que à 35 je ans... Big, j'ai 35 dans ans... <laughs> ah, ben. <laughs> c'est ça, je te dis, à 35 ans, à un moment donné, moi, je suis comme, OK, gars, yeah. j'essaie de J'essaie de donner une voix à, à certaines personnes, whatever. J'essaie de pousser ça. Puis ce discours-là qu'on a, d'ailleurs, c'est pas la première fois que je l'ai, là, avec une couple de personnes ici. Puis je suis comme, pourquoi on est tout le temps là sur notre côté, le petit peuple. Puis, comme, pourquoi qu'on n'est pas juste comme fucking fiers? Mais tu vois yeah, pas, lui, mais... comment il se tient? Il y a ben en fait, depuis fur, tantôt, il dit pas un peu. Des Christ fur de mot. Non, ici, non, parce qu'il aime ça être incognito. <laughs> mais des grands fucking manteaux, euh, des lunettes, des bagues, tout ça. Lui, il aime le flash. Lui, ouais. c'est le contraire. Lui, il change la culture. Tu sais, on a haï, on a. Non, okay, mais je a... regarde, moi, je One regarde. Fur je regarde at a time. <laughs> Je regarde, de même, là. il possède une pizzeria qui roule en crise <laughs> son... Genre, c'est sûr, là. Ouais. Tu sais, au, ça, qu au Québec, on a comme haï ou euh, euh, démonisé euh, Jean-Pascal. Pour les mêmes affaires qu'on trouve que Mayweather est nice. Yo! Dis Mayweather! Real, fucking on est comme, real. ouais, ce gars-là, cet athlète-là, dis Genre, Pascal fait la même shit. shit. C'est vrai, j'avais jamais pensé ça. Mais beaucoup moins. Puis on est comme, ah, arrogant, il flash, pis ci, pis ça. Pis ben même bien. Mayweather en a parlé en plus. Ben oui, mais ben c'est ça, c'est comme, comme ça. C'est comme ça, ça qu'on est. Parce que moi, je me souviendrai tout le temps d'une situation où Jean-Luc Montgrin... big que mm -hmm. mon grand avait pété une latte à un moment donné, oui, dans les Madel. années comme 80, Madel. fin 80, 90, 90, 90. Il avait dit, Raina! Parce, je Parce que les madame, 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 elle parlait que les races, puis si, puis ça. Moi, je suis pas raciste, mais tout ce qu'elle disait derrière. Mais, ouais, c'est ça. Mais je suis dans la meurtre. Mais elle était comme, là, là, moi, là. Puis il était comme, là, madame, là, moi, là. il parlait justement des Italiens à ce moment-là. moi, ça m'avait interpellé. Deux Italiens qui viennent ici. Lui il y y y dormait, y en avait un qui travaillait, un autre comptoir. qui dormait, non ils habitaient ensemble, ils se regardaient, des tapettes, hein? Oh, ben ouais. ils travaillaient puis ils roulaient puis ils roulaient puis ils roulaient puis ils ont fait leur casse puis un matin ils, il ouais. ils ont acheté le bloc, puis c'est moi qui payais le crédit de loyer chez ouais, eux. Ça c'est cool qu'il a dit ça, ça c'est un complément. Moi je prends ça comme un complément. C'est un complément ouais, fois 1000. Il bon, était, bon, il était il allumé lui là, il était réveillé. Ok, lui c'était pas un raciste. Non non c'est très OK, après. Parce que moi j'étais confus, je dis yo ça c'est très C'est un show ce que les Belges appellent. Puis la dame, elle a fait un truc sur là. les immigrants. Mais... Puis c'est ça, ça. Puis elle était comme. Non, mais les immigrants travaillent fucking fort. Là, ouais. Je sais pas qu'est-ce que tu dis, madame, mais ça, c'est pas vrai. Puis à un moment donné, elle revenait avec ses affaires. Puis à un moment donné, il a juste. Il a, explosé, il, il, il a explosé, man. Là, je vais le mettre le clip. On va, on il va il checker. Il a sauté un câble. Puis c'était real. In. Il went in on the bitch. Mais c'était bon, là. Et... Ah, oh, c'était bon. C'était succulent. C'était succulent. Honnêtement, encore à ce jour, c'est un des meilleurs clips que j'ai vu. Un des meilleurs clips. Le gars, il est comme. Puis nous autres, qu'est-ce qu'on aurait fait, ici? Si? On aurait été gênés de mettre notre casillac en avant de notre pizzeria. Puis je t'aurais dit, ben oui, madame, en payant d'autres mondes. Ben oui, madame, moi, est ce que j'aurais fait, j'aurais juste été le style Doux dans l'avant qui payait du monde pour travailler. Puis tout, eux autres, Ils faisaient tout par eux autres, même. Il a dû démonter la madame. Je suis même pas bon pour le. Je, je l'ai entendu. arrivé en 80-quèque, 80, 88, là. 88, la 89, madame 59, est ouais, encore. Peu. La madame ouais, est la la madame est est non, je pense que la madame est morte. <laughs> c'est sûr, man. Genre, ça, c'est le est hit, bon. là. Ça, elle a perdu 10 ans. it was great. Te was great. Ouais, je te montrerai vais, ça. Je vais sûrement mettre un clip de ça, d'ailleurs. Bon, ça, c'est Jean-Luc, right? Hey, shit, Zach, what's good? C'est Jean-Luc, right? Jean-Luc Jean Mongrain, man. That was. OK, il y a des affaires au Québec, là, qui étaient Internet avant Internet. Jean-Luc Mongrain. Jean-Luc Mongrain, c'était Internet avant Internet. Musique plus, c'était Internet, Internet avant Internet. Yo, Varda Etienne, elle a pété le Mago. shit. Ben oui. euh, sinon, Abbey Mitsu, Mitsuin mm -hmm. shit. Là. Yo, ça c'était la bonne, là. ça c'est la bonne époque de Québec. Tout... Ouais. Mais vous autres, quand vous étiez jeunes, je pens... pensais à ça. En tant qu'anglophone, euh... jeune, non mais yo, 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 real On va des vrais shit là. Non mais c'est une question. Yeah, c'est bon. Parce que, tu sais, mettons, moi je suis italien, oui, mais je suis moitié moi, italien, moitié québécois. Euh, irlandais, whatever, mais on n'ira pas loin. Mais juste savoir, parce que moi, j'ai juste connu le côté francophone en mmh. grandissant. J'ai connu l'anglophone, oui, parce que j'habitais à Greenfield Park, mais je veux dire, fondamentalement, c'était francophone. Oui, ouais. j'avais des amis anglophones, oui, je parle anglais, mais je vivais la vie francophone. Vous, c'était quoi, genre, les shit au Québec? Est-ce que, est que vous... un autre monde complètement différent. Vous... Ouais. C'est-tu vraiment un autre monde? Ouais, C'est ouais. ça que je me demande, parce ouais. que j'ai l'impression que ceux qui grandissent anglophones à Montréal, francophones à Montréal, c'est deux mondes qui se côtoient, oui. Non. Mixe, même pas, hein. Non. non. Faut Il que tu, faut, que tu, faut que tu grandisses dans les deux en milieu. Ouais, ouais, Il y a le ça. monde qui grandit Comme en moi, milieu. genre, mettons, Greenfield Park, whatever, je suis je pouvais aller, mettons, j'allais à Saint-Michel à cause que ma Et Il y a membre. plein de choses que, par exemple, moi, je savais que les francophones, on va dire, ne savaient pas, puis mm -hmm. vice-versa, mm -hmm. des choses que je connais pas. Moi, c'était vraiment plus euh, américain. Je connaissais la culture américaine à la télé, puis tout ça. Autant. Est-ce que tu te sens plus, excuse-moi de te couper, est-ce que tu te sens plus, mettons, euh, un peu foreign, genre, dans le sens où tu te sens plus pas chez vous parce que tu es comme, you, tout le monde est francophone, non, je y me a des anglophones, chez... mais genre, je, je me fie à ce qui se passe dans un autre pays qui n'est pas le mien, genre. Non, non, euh, on ne pensait jamais à ça, c'était juste comme les États-Unis, on me voyait naturel. comme naturel, c'est juste là. Moi, je me sens comme un Grec, je, je me sens chez nous ici. Mais je sais que je suis grec, puis je pense comme un grec, puis tout ça, ça ne change pas, tu ne peux pas, c'est génétique. Mais la culture artistique, c'était vraiment américain, un peu canadien quand j'étais jeune, comme Mr. Dress Up, même Passe-Partout, tu sais, ça c'est en français. Mais c'est du j'écoutais ça, ou Sesame Street et shit. Sesame Street, j'écoutais ça, mais après, c'était vraiment comme musique plus, un peu, en école secondaire, Bleu Nuit, mais c'était plus, tu sais, much music puis uh, c'était vraiment MTV, puis je rentrais dans Every la musique Anglophone américaine. I know. Blue Night. They know what Bleu Nuit is. David They Dupont don't Dupont. know. Ils peuvent ne pas comprendre un fucking shit en français, bah Bleu Nuit... fois oh. c'est qui Mario Pelchat, mais ça, c'est qui Bleu Nuit. They know who the fuck Emmanuel is, yes. <laughs> Alors, ça, mais c'était plus comme... Moi, je connaissais toutes les références américaines de films et tout ça. Moi, je les connaissais comme un Américain. Mais quand ça venait des choses locaux que les gens ici savaient, les affaires locales, moi je les connaissais pas. Puis le monde était comme Mais c'est bizarre que tu, tu connais pas ça. Tu sais, ça arrive à côté de chez toi. Puis est-ce que est-ce que, ok, peut-être que peut-être que le fait que tu es grec est différent, je ne sais pas là. parce que j'aurais aimé, aimé ça avoir un, un, un anglophone, anglophone, genre random, pas, ouais. pas nécessairement grec ou whatever, mais est-ce que le côté grec euh, change vraiment de quoi? Je, ouais. je, je, veux dire, je sais pas, je sais pas. Bien sûr, oui. Il y a une autre religion. C'est une autre culture, c'est une autre. C'est euh... euh, orthodoxe, je pense. Orthodoxe, oui. Mmh. Mais c'est sûr que ça change. C'est une autre culture, ça change quelque chose. Tu sais, il y a une différence entre la manière où moi j'ai grandi, la manière que toi tu as grandi, que lui a grandi. Ah. Là, il va y avoir des similarités. Il y a, par exemple, les Haïtiens, c'est drôle parce que. Il y a assez de similarités. Tu sais, Culturelles, comme tu vois le monde. Les chose, avec les Italiens, euh, je se ressemble oh, beaucoup. Avec les gars, aussi, puis moi, aussi. je ris quand il, il dit quelque chose ou il pense de telle manière, puis on se regarde, on se donne des petits regards, comme on sait. Puis c'est la même chose avec Mike. Mike, va... Mike c'est euh, moitié euh, anglo, puis moitié Qué... franco-québécois. C'est ça, son, son parcours. Qui, lui, il est straight-up euh, ontarien? Non, Mike québécois. Ward, non, non, québécois, anglo-anglo-québécois, québécois. Anglo -anglo -anglo puis euh, franco-franco-québécois, les deux, okay. complètement mix. Puis Mike… À Québec. À Québec. Alors Mike, quand What? tu ouais, okay. quand tu penses, il ne devrait pas avoir des connexions avec nous, on va dire que tu savais, mais on en a the fucking, beaucoup, the beaucoup d'overlap. C'est comme si affaires, une, le... on est trois enfants de la même fucking famille. C'est fucking bizarre. Alors, il euh, y a plein de choses comme ça, des overlaps que tu ne tu, tu vois pas, tu sais, que tu ne peux pas savoir. C'est juste si tu es prêt à t'intégrer, puis tu es fier de la place. Il y a certains Grecs que ça marche pas. Il y a certains Grecs qui ne parlent même pas l'anglais. Bien, C'est juste le grec, puis ils ne veulent rien savoir. Ça, ça ne va jamais marcher, comme d'autres cultures. Si tu ne veux pas intégrer un peu, c'est impossible que ça marche. Tu sais. Mais quand tu es prêt, c'est fun, bro. C'est de l'extérieur. Alors, tu vois des choses d'un différent point de vue. Alors, tu ramènes quelque chose de différent, mais tu t'impliques. Tu aimes ça, de rentrer dans ça. C'est fun. T'as pas besoin de toujours avoir le même point de vue. Mais moi, je trouve, actually, que c'est fucking nice. C'est une force. une culture en toi différente, t'arrives, t'apprends la culture de tout plein de monde. Moi, 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 moi les cultures... De... En tout cas, moi, j'aime ça, tabarnak. T'as grandi à Sarive-Sud. Ouais, j'ai grandi à Sarive-Sud, mais, mettons, dans mon adolescence, j'ai chillé beaucoup, beaucoup. Je veux ouais, pas... Moi, j'ai mais... ouais, chillé... Euh... J'ai fait des trucs euh, beaucoup à Montréal, euh, Saint-Michel une shit. T'as laqué la les cossons, là hein? je suis allé à Saint-Edmond, après ça, je suis allé à Saint ben, Saint-Edmond, euh, Stéphanie euh, ouais, elle allait Farmer ouais, ouais, est allé à Saint-Edmond, c'est là que je l'ai rencontré après Ça, je me suis fait coller dehors, j'allais à Monseigneur Parent, je me right. suis fait coller dehors, j'avais à... Tu t'es fait coller dehors de Monseigneur Parent? Ouais. j'avais dit avant qu'on commence le podcast que t'as eu le juif, ça, ça vient d'où? C'est <laughs> <De> quoi? je <laughs> <laughs> veux juste savoir pourquoi? <laughs> Wow! Ça vient d'où ça? Big! La Palestine, big! Moi, je suis pour la plus-Palestine, big! Non, 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 mais je te gagne à ce Non, il haït personne, ça. J'haït personne. J'aime ça. C'est bon, man. Out of nowhere. Nice curveball. Nice job. C'est un podcast avec les pros, maintenant, bro. Non, mais moi, j'adore ça, j'adore ça. J'aime ça, j'aime ça. Mais ouais. Mais non, ça, je me suis fait crisser dehors de mon chien Baron, mais ça, c'est une longue histoire. Mais qu'est-ce que ça fait? Ah, man. Plein De choses, mais mais parce qu'au début, il voulait pas me crisser dehors. L'ironie dans tout ça, c'est que je me suis fait crisser dehors pour puis m'ont renvoyé à l'école qui m'avait crissé dehors pour m'envoyer là-bas. C'est contre la loi hein? de pas aller à l'école. Ouais, 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 à la fin de la journée, il so y, y, <laughs> y a pas le choix. Il y avait pas le choix. Puis m'ont renvoyé à l'école de laquelle en premier m'avait crissé dehors pour aller à mon parent. En gros, c'est que <laughs> Drôle. En plus, c'était tellement big, une école de fucking euh, 500 élèves. Là, genre, tout ce que je faisais était fucking était easy là, de me, me spot. Oh, il savait que c'était toi. Oh, ouais, oh, ouais puis c'était tout le temps moi. Là. Fait que, anyway, <laughs> c'était vraiment grave. Mais, mais, ouais, en gros, euh, ce qui était. Ah, yo bro. Il okay, y, y a des choses que j'ai faites, genre. Euh, genre, admettons, il y avait. Tu sais, au midi, il y a des, 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 des genres de radio étudiante ou whatever. Mm. Au midi, ils parlent, puis il y a de la musique, puis nanana, un speaker, shit puis y un moment donné, j'avais juste, euh, juste pris en otage les gars de la radio. <laughs> j'avais mis mon beat, puis là, j'avais foutu le bordel. bordel Explique-toi. Ben, j'avais comme dit, « Hey, guys, j'aurais peut-être un CD. » Puis là, ils ont ouvert la porte, parce qu'ils étaient tout le temps barrés. Puis là, ils avaient débarré à la porte. « Yeah, yeah. Ah, je suis j'aimerais vraiment ça mettre ma musique. »« Ah, ouais. » On a ouvert la porte. Clac, clac, on les a sortis. On, les a, on a rentré dans le non. shit. On a commencé à mettre okay. du gros criss de beat. J'ai pas pris en otage, la radio. Le, le local, le local. Là, ça, ça avait commencé comme ça. Puis là, là, ah. là c'était drôle. Puis là, il là, y avait le, le directeur qui cognait, mais la porte était barrée. Moi, je m'en crissais. On pas les était clés, deux. Il y, y avait les clés, mais on tenait à pogner. Ah, c'était bon. ouais, vraiment drôle. Amazing. Puis ça, c'était fucking drôle. Puis après ça, là, mon nom a commencé à circuler. Et là, mon nom circulait déjà trop, <coughs> mais c'est parce que je vendais du pote aussi. Ah. Mmh. J'avais commencé en vendant des clopes à l'unité. <laughs> puis après ça, je, là, je t'ai <laughs> rendu à vendre du weed. Ah, oh, <laughs> un gros gangster! Un big business, bro! Yo, je vendais des clopes à l'unité, c'était 50 cents pour deux clopes. C'est 25 cents de la clope. Yo, ça monte vite, hein? Il crisse, oui, man. Ça montait vite. Après ça, je suis tombé dans. Là, je suis tombé dans d'autres. après ça, je j'étais rendu on vendait de l'héros. Puis là, c'était vrai, C'est le 50 cents de Québec. Non, non, non. Après ça, après ça, il est arrivé d'autres affaires. Puis là, il y a eu une bagarre. Whatever. Puis là, là, je me suis fait crisser dehors de cette école-là pour retourner à mon seigneur-parent. Puis quand je suis arrivé à Monsieur à Saint-Edmond, j'ai rencontré un autre doute, un grec. Euh, Théodore Candris, Ce gars-là, c'était le plus gros gangster que j'ai jamais rencontré de ma vie. Ben, à l'époque. Y de Brossard. Ah. Yeah, straight up. Puis là, on avait, <laughs> on avait commencé à, à, à partir. Là, je, 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 je m'incrimine, mais à l'époque, c'est fini, ça fait trop longtemps. On avait commencé à vendre du Speed, de la I, des shit. Mais là, on vendait pour plein d'écoles. <laughs> Puis on vendait pour Antoine Brossard, c'est Un Parent, Gérard Fillion, André Lerando Jacques Rousseau, on venait de la fraise orange, d'ici, de, de Transformers. Mais t'avais des gens qui travaillaient pour ça dans chaque école? Avec Théodore Canres, moi puis lui. Puis là, on, on avait monté tout ça. Tu nommes trop, trop gros. de choses, tu dois biper des choses. De chose. Ben you non, know, il s'est déjà fait arrêter, il s'est déjà fait son temps. Okay. Puis là, moi, à un moment donné, j'ai fait que yo, ça devient trop gros. Je fuck off, moi je décale Puis après, ça, lui, c'est s'est fait Lui, s'est fait cut quatre, 4 quatre ans plus tard, ou 3-4 ans plus tard. Puis la première page du journal de Montréal avec les, 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 les Hells and shit. Oh, C'était vraiment non, non. Je sais non, plus c'était où. Là. Non, mais digue, en tout cas, c'était vraiment gros, man. Mais non, moi, je n'étais pas un gros gangster. Moi, j'étais juste je voulais juste comme faire mes petites shit, faire un peu d'argent. That's it. Je faisais mes trucs. J'allais travailler à Montréal à toutes les, euh, à toutes les fins de semaine. J'allais au bar à ma soeur, qui était pas vraiment ma soeur, mais c'était elle qui, qui était le nom au-dessus. Mais ça appartenait à d'autres mondes. You know, you know, you know uh, the drill. Yeah. C'était un peu gangster, mais c'est ça. C'était ça mon shit. Puis après ça, j'ai tout arrêté ça. J'ai commencé à faire du rap. En fait, non, je faisais judge rap. Mais ouais, whatever. Anyway, j'ai peut-être sauté des bottes, là, puis peut-être il y a une couple de trucs que Peut-être au milieu des affaires. Oh, c'est ça. You did shit, you know. Mais. Parait ou non. Non, mais big, à là, tu sais. Puis la fille handicapée que t'avais tuée avec ton auto, ça, c'est arrivé. Ça, c'était vraiment. Non, mais yo, lui, lui, tu fais une histoire, tu fais une histoire, tu fais une histoire. Je vais t'en donner une histoire, mais. il y a une fille, j'ai tué une madame, j'ai tué une madame, ok? Pas Attends, volontairement. Pour pas volontairement, mais pas vrai. Euh, J'étais au Scotties. Hey, hey. Tu connais le Scotties? Tu m'as poussé, <laughs> tu m'as poussé, ouais, ouais, poussé. Le Scotties sur tachereau. <laughs> tachereau. 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 J'arrivais là-bas. Moi, c'était une place que j'allais chiller souvent. Man, justement, j'avais plein de boys. Tous mes boys anglophones, j'allais chiller. Mais les anglophones, je les ai toujours trouvés plus game, genre plus fucked up. Genre, ça se torche. <laughs> à un autre niveau. Puis bref, on se torchait tout. Puis à un moment donné, j'arrive là-bas, man. Il y avait un supplé spaghetti. Là, Il y a des petites madames, tout, tout chill. Là, ça monte. Le supplé spaghetti est fini. Là, mes boys, on se pointe. On commence à se torcher. Puis moi, j'adore danser. Puis j'adore les madames. J'adore les vieilles madames. Ça, je ne sais je pas comprends. pourquoi, man. I mean, I don't know. I like it. I feel genre, je me sens désiré. <laughs> I like it. I dance. C'est sûr qui chill chillot, lovers. C'est oh. sûr! Non, j'ai jamais tué mais oh. Non, non, j'aurais tué plein de monde. Mais, mais ce qui est arrivé, c'est que j'étais arrivé là-bas, là, je danse avec une madame. là, elle danse, puis elle est toute crinquée. Elle, elle devait avoir genre 72 ans, genre. Puis là, ah j'étais comme. Man. Puis moi, 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 pour la vérité, j'aime les madames, mais genre, je vais pas coucher avec. Là, mais tu sais, j'aime trop... ça danser avec les madames. Hey, donc, on cherche le mensonge pensent... et on vote. Alors, ah. <laughs> ah il sait pas comment danser. Non, non, non. Il n'aime pas danser, c'est ça le mensonge. Non, non, genre. <laughs> <laughs> non, bref, à j'aime ça danser, je ch chillais, pis là, j'étais comme, ah yo, la madame est chill, pis là, j'étais comme, moi, je vais lui donner son bon temps, tu sais, comme, hey là, puis là, je suis comme, ah, là, je danse avec, pis là, il y a de la musique, je sais pas, genre, euh, oh, non. Non, 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 non non puis là, je danse, je danse, je danse. Il est rendu comme après 11h30, minuit, minuit et demi, je sais plus quelle heure, man, la vérité. puis... Fait qu'il était 2h30. <laughs> probablement, je sais pas, il était quelle heure, man, real talk. puis là, tout ce que. Je danse avec la madame, je dis OK ben pas de rien, elle était toute excitée, elle était en soirée, elle avait chaud, puis elle était comme faut que j'y aille là, elle, elle. elle s'en va. Big, cinq minutes après, l'ambulance dans le portique. Merde. La madame est en train de faire une crise de cœur à crever Merde. là. Oh. J'étais sa dernière danse. Ah oh, mais ben, c'est bon ça. Big, <laughs> le bon G7, ça? mon boy man, de gros Big arrive, il me dit Moi j'étais j'étais détruit, j'étais comme oh my god. « I'm a lady killer. »« What the fuck? »« est-ce que j'ai You, fuck. » Je me sentais mal, for real. Oh, ouais. J'ai décidé de t'appeler Adamo, gros big. <laughs> »« Ton nom, c'est Lady Killer, bro. Uh, »« Lady uh, Killer. <laughs> » Non, mais c'est vraiment une vraie histoire. Vous demanderez à J7 si jamais, triste, comme, pourquoi J'étais vraiment triste. Je suis sorti dans son après. <laughs> J'aurais pas dû... J'aurais <laughs> jamais dû dire de prendre une clé. Ah. <laughs> en tout cas, mais non, on, on est sortis dehors. Finalement, genre, je sors dehors. Je suis comme ah, « Yeah, man, c'est fucked up ». j'étais à côté sur le, 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 le genre de vieux deck du Scottish, du, du rouge genre C'est la paix et place. C'est pas beau, là, comme, comme vue, tu sais. C'est vraiment pas beau. Le, là, il y a juste G7 qui arrive. « Big, t'as tué la madame ». Je suis comme « Ta gueule, <rire> Big <laughs> ». J'étais mais... chaud. Elle... <laughs> je commence à pleurer. J'ai pleuré deux, trois... Genre deux, trois minutes. Puis après ça, j'étais comme « Ah, c'est good ». Puis après ça, on est fermé à rire. T'sais. Mais c'est pas rire de la... du fait que la madame est morte, là, mais <laughs> mais... mais... C'était-tu pointé au, euh, au funérail? Non, au j'ai aucune idée, c'est quoi son nom? Je ne savais même pas son nom. Ah. Yo, la madame est morte, bro. Yo, RIP. Je ne sais uh... pas son nom, c'est de l'amour incognito. That's right. RIP, <laughs> you get. Je c'est you get, man. You get. Non, madame. non, c'est une madame, c'est une madame anglophone, il me semble. You get? Margaret. You get? Margaret. You get? Margaret. Margaret. Ah, That's That's oh, c'est un beau nom, ça. Est-ce qu'elle était es chaude au moins? Pas tant. Ah. I no, <laughs> hey, I mean, the she overheated. Two seconds. So <laughs> the, so a... the fuck is your problem, bro? <laughs> 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 <that show> <laughs> one... <laughs> Who That's raised you? You like <laughs> like only idea. cry for good looking people. they're <laughs> 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 good. <laughs> they're good looking. What the fuck is wrong with you? they left. Good. Good for her. C'est <laughs> <This> fucking <time. rire> Moi, ce qui yeah. me tue, c'est la grosse, la grosse croix qui tombe de son pouma man. That's Le gars, il est G, là. Lui, il est trop point les gens sont croyants, Le, Le gars, il est trop bad. G, man. C'est vrai. What mais ouais, up? fait c'est ça. Fait qu'au final, ouais, j'ai tué une madame. Ah, oh, mais c'est ça. Greg. Hein. Ça va. Mais je l'ai tué. Je ça sors d'ailleurs en danse. Je ça dans la danse. Alors, c'est bon. T'sais, tu l'as tué. C'est actually nice, right? Tu l'as pas tué, là. Non, je l'ai pas tué. Tu sais pas si c'est les roteux qu'ils étaient claquées avant, là. J'ai aucune idée, c'est quoi. Qu est, Ce qui qu elle est arrivé, c'est qu'elle n'est pas morte dans mes bras. C'est pas moi. Mais dans le sens où j'étais la dernière danse. Puis, j'ai réussi à travailler là-dessus. Puis, me dire you know mais c'est pas comme ça que ça fonctionne la, best la mort. C'est pas. pas la personne qui adore mort dans les bras de que ça ça à ça, 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 ça la mort. Les ambulanciers qui ont essayé de la sauver, c'est quoi C'est eux, eux qui sont responsables. C'est eux qui sont responsables. Mais tu sais pourquoi c'est bizarre tout ça Parce que, tu sais, t'es heureux, tu danses. Là, elle est morte. Ouais, mais elle a claqué, là. claqué, là, Big. Elle a claqué, là, direct, de, direct ça, dans le portique. Mais C'est ça. Il y silence pour qu'on me dise seconde. Tout le monde est là. Puis après, le DJ, il n'est pas au courant. Alors, c'est ça. Big, il n'y avait, avait aucun mais... silence. Il n'y a eu aucun danse, silence. C'était juste... C'est ça qui est bizarre. Je te jure, c'est exactement ça. Oui, oui, c'est ça. ça. Bien, il n'y a eu a aucun a eu silence. Elle a juste claqué dans le portique. Moi, je ne sais pas. Memo number five. Bam, 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 bam. Rabbi Connan. Tu sais, c'était ça son nom. Je sais pas, Big, mais pour elle, la vérité, ça m'avait un peu marqué. Mais pendant. J j Ay, man, je me sentais tellement comme se une gêne. merde. Mais Does pendant 20 minutes, je me sentais vraiment mal. Après ça, j'ai catché. Yo, c'est pas de ma faute, le tabarnak. Ben oui. J'ai rien fait. Ben oui. J'ai dansé avec. Je voulais qu'elle passe du bon temps. A bien fait. Chris, au pire, elle va, elle va partir avec des bons souvenirs. Là. Est ça. Elle est morte avec un sourire. Elle, était elle est morte avec un bon sourire. That's Dans le fond, pas toute. Elle s'est juste pétée à la tête en arabe. <laughs> oh, mais ça, elle, elle a tombé et a frappé sa tête, c'est ça Non, je sais pas. Non, 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 ouais, juste à, à claquer. À une claquer, crise juste. cardiaque. Je sais pas quoi vous dire, man, guys, une crise cardiaque. Je... I don't know, I don't know. j'ai j'ai. suis pas informé. Ben, big, j'avais pas le choix. T'es dégueulasse. <laughs> c'est une merde, c'est une merde. <laughs> une merde, une merde. Non, mais ça me Et bref, mais ouais, mais avez-vous déjà eu des, des, des morts, genre, devant ah. vous Avez-vous déjà vécu la mort devant ah. vous mmh. Les Grecs, ah. c'est sûr que oui. Là. Oui, oui. Je ne m'en rappelle pas. Non, je ne me rappelle pas. Pense pas. Ça, il essaie de ne pas s'incriminer. Je ne comme... me rappelle, rappelle pas. pas. Non, pas que c'est Je ne me rappelle pas. Je ne sais pas là. Je ne sais jamais là. C'est temps chez nous. Hein. <laughs> Et la mort, non? Qu'est-ce que ouais. ça vous dit, la mort? Avez-vous peur de la mort? Non. Tu pas peur? Non. Real talk? Inévitable. Non, ouais. mais tu pas peur, le... genre là? Pis, là. Ça veut... Si tu si mets croque là, tous les problèmes sont réglés, non? Win-win. Pour moi, s'il meurt, lui, oui, c'est win-win. Mais. <rire> <Wow>. <rire> Wow. <laughs> mais. <That's fucking> <laughs> Every, day. Ah, <laughs> Every day. Every À tous day. les jours. Okay. Ha, ha, ha. <laughs> <Every day. laughs> non, moi, moi j'ai peur de ça parce que. Mais pas pour moi-même, plus pour les gens autour de moi. Mm. T'as peur mm. qu'ils meurent? Non, non, moi j'ai peur si je meurs parce qu'il y a plein ah, de gens. parce que lui il va être fucked. Plein de gens, c'est pas juste lui, plein de gens qui vont être fucked. Puis, tu sais, puis je peux rien faire. Je suis mort. Moi, j'ai plus peur de rester genre, handicapé. Genre, j'ai un accident d'auto et je reste handicapé. Oh, ça, ouais. ça, 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 ça... En je plus, c'est déjà mourir. quand même pas loin. Là. Si ouais. j'ai un accident d'auto, je préfère mourir. C'est pas moi qui l'ai dit. Ah, fuck <laughs> toi, man. C'est pas moi qui l'ai dit. Je m'en vais. C'est pas Mais je suis pas Mais... Mais... Dans un accident d'auto... <laughs> ouais Je préférerais mourir que de rester gentil, sans genre. Ouais, ouais, ouais. C'est spécifique, c'est pas ça que t'as demandé. Ouais, T'as-tu peur de mourir? <laughs> j'ai pas peur de mourir, j'ai peur d'être handicapé. Tu te rendre à quelque chose d'autre. Yo, les araignées me font peur. <laughs> T'as-tu peur de mourir? Non, mais j'aime pas les moi le pâté chinois avec les poids. <laughs> c'est fucking aléatoire. C'est bon. Euh, non, moi, c'est ça. J'ai pas peur pour moi, comme si... Je meurs, je meurs, je peux rien faire, tu sais, tu vas rien s'en dire. C'est juste pour d'autres mondes, tu sais, j'ai pas réglé mes Sérieux, comptes. Sérieux, man! Ouais. Et moi, ça me fait full peur. Mais ça Pourquoi? me fait peur, mais pas pour moi-même parce que je vais rien savoir. Je suis mais tout l'autre monde qui est autour de moi que moi ah, je prends soin d'eux, me fait deux fait maintenant, as ils ont peur de quoi? De crever, big! C'est juste comme me dire, je me lève demain et là, boum, c'est dead. J'ai pas, pas accompli les shit que je voulais. Fait que tu te lèves pas. Damn, that's, that's dark. Mais c'est ça? ça? Oui, parce que tu as les yeux fermés. Tu vas pas le savoir. Sinon, tu ne sauras pas. pas tu je vas pas être, ça être ça. triste. Ça pas tu vas pas être genre, oh mon dieu. Ok, ok, ok. D'abord, d'abord. Tu es mort, là. <laughs> ok, d'abord, savoir. Tu as 24 heures, tu sais que tu meurs. C'est pas 24 comme ça heures. que ça fonctionne la vie. Non, mais mettons, mettons c'est ça là, qui arrive. Là. Ouais. Boom. Là, boom. Il y a fucking God, God qui arrive ou je sais pas who the fuck, le Bouddha ou, ou fucking 24 eh, Jerry Springer. Il arrive et il dit, genre, hey, tu meurs dans 24 heures. Je prends un bain pendant une heure puis je prends une sieste de 23. Ça va être ça, man. Il n'y a rien que je peux faire. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'il va. Hey, ah, Il n'y a rien de penser à des shit weird. Ah, oh, moi, là. ouais, je pense à plein de choses. Fucking chose. Greg, Moi, babe. je prends toutes mes cartes. Je max out. Je sors le ah. cash. Je donne à tout le monde. <laughs> uh, je détruis tout, bro. Je, je, je transfère tout ce que j'ai à d'autres mondes pour que la banque, et le gouvernement ne le prenne pas ça. Uh, après, uh, peut-être je vais trouver des pédophiles et je vais les tuer. Puis, uh, c'est <laughs> ça. C'est <laughs> ça. Ça va, Batman? T'as 24 heures, là. 24 heures, bro! 24 heures, I go crazy. J'adore l'accent. Je trouve des pédophiles et je vais les tuer. Euh, si, j'adore ça, tuer. Tuer, tuer. Non, non, je sais, excuse-moi, suis juste Je suis je... bon, bon. euh... oh, bon, pas mexicain. Non, t'es bon, t'es bon. Tu sais c'est bon, t'as pas. J'ai pas, ouais, pas le temps, man. Ok ok ok, okay d'abord okay, 24 heures c'est pas, pas beaucoup de temps, temps. c'est pas beaucoup de temps c'est pour ça que tu dois C'est à c'est du chercher sur les pédophiles proches de chez vous dans le fond il fait ah, juste payer le premier pédophile on un pédophile 24 heures donne-moi une liste de tes amis plus proches donne-moi des <laughs> amis je <laughs> m'appelle pas Trudeau non mais ça <laughs> tu sais t'as 24 heures tu essaies de faire quelque chose c'est pour tes amis pour ta famille puis qu'est-ce que tu peux avoir pour la société puis après t'es bro. tu peux rien faire c'est 24 heures en même temps je suis un fataliste là ben, tu me <coughs> sembles être un fataliste. J'ai pas peur de la mort, moi, je m'en calais. Je suis très fataliste, je suis très. Euh, réaliste, il est réaliste. C'est quoi fataliste au final? C'est quoi le terme? Qu'est-ce que mmh. ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire par tes fatalistes? Ben, les comme, fatalités, je suis comme, ouais, oh, ça Les, les fatalités, t'es down, t'es comme, ça yes, ça va que arriver, je down, inévitable. Que je sais que ça va arriver, je ne mets pas d'en face dessus, mais. C'est ça. Juste, non, tu penses pas, mais ma quand gueule... c'est le temps d'y penser, t'es comme, ah, oh, yeah, ben, je comme, connais comme, Tu sais, essentiellement, toutes les personnes que moi je rencontre dans ma vie. Tu vont crever. Tout, tu vas mourir, Tout, tu vas mourir, Tout, tu vas mourir. J'ai déjà fait mon deuil de ces personnes-là. Quand ça arrive, je suis pas comme Oh mon dieu, il est mort. Oui. On n'est pas ici pour rester. là. Il ah, y a vrai. deux affaires qui sont dans la vie. Man. On va payer des taxes et on va mourir. Yo, je peux-tu vous dire une affaire qui est vraiment, vraiment, <laughs> vraiment. You guys, c'est même pas drôle, mais c'est fucking real. C'est Qu -ce que... ridicule qu'on parle de ça, fataliste and shit. Tu meurs, tout le monde est mort. Big, Mon oncle est mort aujourd'hui. Shout out à C'est quoi son nom? Alain. Alain. Comment? Il est mort cancer, shit, là, le matin. J'ai reçu un appel avant le podcast. Moi, je suis en train de chiller, je suis en train de faire un meeting. Je me fais appeler. Ma mère, hey, salut, Lena. Là, je comme « ok, oh shit, what the fuck. Pourquoi t'es ici? Ben, Chris, parce que je suis fataliste, I guess. Parce que la vie continue. Ben, exact. Ça, je me dis, mais non, mais c'est triste, dans le sens. Rest in peace, Alain, là, genre j'ai euh, un gros gars, c'est un, une légende, ça a été un est bon oncle pour moi puis tout. Mais je veux dire mon père est mort, tout le monde est mort, tout le monde meurt. Là. Non, mais je non. dis comme maintenant tu peux aller pour ses amis vont être là puis tout ça tu peux rencontrer une vieille madame à son funérail. Ah là, ah là. Je vais aller danser avec elle, puis elle va crever dans le portique, là, Attends, there you go. Non, oh, mais mes condolances. Ouais, ah, ouais. Non, mes mais c'est pas, pas pour ça que je disais ça, c'est juste que on parle de ça, puis là, je suis comme tabarnak, c'est fucké tu parce que ça aujourd'hui. Non, 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 Star non. Je le savais là. Je, non, non, mais tu, tu sais, pendant, pendant, pendant un moment. Pendant un moment, tu y pensais pas. Tu dois être comme Oh shit, c'est vrai, ça c'est arrivé. Ouais. C'est comme notre âge. Ouais. Non! non, non. <laughs> des fois, des fois, des fois, on s'en <laughs> rappelle pas, puis à un moment donné, ça pop up, tu sais, c'est vrai, j'ai tant de... J'ai 22. Honnêtement, ah, tu dois non, pas penser parce que c'est rare, mais ça m'arrive de je suis dans le lit, je pense comme un con à ça. Oh, shit je peux mourir demain, je peux mourir, puis je ne vais plus exister. Est-ce que j'ai... Est-ce que j'ai toutes mes choses préparées? Mmh. Si je meurs, est-ce que, est est que le gouvernement va prendre tout ou est-ce que c'est déjà préparé pour ma famille? Puis, tout ça? puis je pense à ça, à peu près, Je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Je meurs, c'est juste que ça termine là-bas. Je commence à penser à plein de choses. Ça t'amène. De l'angoisse. Wow. Ouais, pour mmh. rien, tu peux de rien. De l'anxiété. Personne man. sait euh, qu ce qui se passe. Alors tu n'as rien à puis, foutre. Tu, puis le pire, c'est là-dedans, c'est que, OK, tu y as pensé. Qu'est-ce que tu vas faire? Rien, zéro. Non. Mais, tu mais la vérité, 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 je vous pose la question juste pour faire un Chris de podcast, mais la oh, vérité, c'est que je La vérité, c'est que moi, je m'en Chris. Mourir, c'est comme I mean. C'est comme se coucher pas se réveiller. That's it. Ben non, ça dépend parce que ça dépend. tu peux te faire un otage ou ça peut être dans un avion ou. Non, mais no matter ça. what, dans le sens où genre tu, tu ça veut dire genre t'étais vivant, t'es plus vivant, c'est ouais. tout. L'affaire de d'après vie, moi j'y crois pas, là, ces choses là, là j'y crois juste pas. Là. Mais, mais ça, 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 c'est un autre discours, là, par exemple. Là, je sais pas, je m'en peut-être quelque part qu'il va La trop réincarnation. loin. Ah, La réincarnation, j'y crois pas. Les affaires. Big, tu crèves, tu crèves, là, c'est fini. Il y a plus, ton cerveau il est mort, ton Il n'y a, a pas d'affaire Down qui rentre puis qu'il y a des esprits and shit. T'as pas vu le documentaire euh, Casper? C'est <coughs> sur euh, Netflix. Oh, Casper the Friendly Ghost. Ouais, ouais, ça c'était Oui, oui c'est un, un, oh, ouais, un gros documentaire. c'est un gros documentaire. il est enfin, mort. Euh, deux pédophiles ont essayé de le tuer. Non, trois, je pense. What? Puis, il est mort. Mm -hmm. Puis après, il, il, on voit son fantôme. Mm -hmm. euh, puis oui, il existe. Mais ça, c'est parce qu'il est fait. Euh, ouais. Si la réincarnation existait, vous, vous décidez. Si vous, tu pouvais choisir, vous déciderez quoi, vous Moi, j'aimerais ça être dans Poseidon. Shit. Oh, ben, tu... on peut régler ça là, mon ben, gars. On peut faire ça ce soir. Il y a de l'espace. Il euh, y a de l'espace. Euh... Yo, guys, on a vraiment envie de pisser, right? Hey! Get ta, ta bouche! Aww! <laughs> oh, hey! That's nasty, yo. bro! You don't gotta make that giggle! Que... <laughs> non, ouais, la réincarnation? J'aimerais ça. Euh... Oh shit, bro! I oh, don't know. C'est pas moi qui a répondu, je suis le haut. I'm down for either one! Let's reincarnate! Let's go! <laughs> Le gars, se réincarne, il est juste black. <laughs> c'est quoi ça C'est pas ça tu m'avais demandé Il est mal dit. Fuck T'as mal compris. T'as mal compris. <laughs> ça, c'est drôle. J'imagine un génie comme... OK, tu veux te réincarner en quoi Un aigle Uh, oh, pfff, il serait un gars preach. What the fuck? <laughs> C'est le <laughs> fils à pire. Holy shit, bro! I want to fuck! That's racist, GD! That's <laughs> racist! Il voulait juste okay, voler, finalement. Voilà. Il voulait voler, finalement, il fait juste voler. Uh, oh, <laughs> oh, oh, <Wow. laughs> no! Non, je dois elle était bonne, elle était fucking bonne that. fucking De so tout ce qu'il aurait pu dire, il aurait yeah. pu dire « Grosse graine » C'est pourquoi, parce que c'est le rap. Il voulait <laughs> voler, puis là finalement, il faut des grosses blanches. T'aurais pu aller là, mais t'as pas été. Tu sais pourquoi t'as choisi ça? À cause que tu chantes. Parce que c'est plus rap, voler, voler, c'est pour ça que t'as fait. Yeah, yeah, exact, 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 exact. C'est le jeu de mots, c'est le jeu de mots. belle récupération. Non, mais c'était bon, c'était drôle, c'était drôle, puis c'était quick. I appreciate that. Ça fait plaisir, bon. man. quoi. Là, man, euh, oublie ça, man. Là, euh, ils vont mettre ça sur le lien en ligne, là. Puis là, les, les gars de rap politique vont faire comment C'est à la moto. Oh rap ah, En plus, je veux les inviter. Je veux les inviter, les gars. Yo, je veux inviter euh, 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 KK, qui est comme le master ah du euh, ouais. KK, vous connaissez Non, il n'y a, a pas trois cas, qui là. Qui il y y pas, y en a ok, Il ne s'appelle pas c'est qui, KK. Anyway, KK, c'est un gros gars, c'est un, un gros G, je l'aime beaucoup. Mm -hmm. Il est rap politique. Non, 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 non. non. En fait, il n'y a aucun fan. talent. Il est juste. Pas c'est pas pas. C'est une joke, c'est une joke, c'est un joke, joke. C'est une joke, c'est un joke, c'est <laughs> <une rire> oui, un Pur talent ou même pas de talent. C'est une joke, c'est une joke. Le gars, il cherche la trouble. Si je fais exprès, mais Kéké, je l'aime beaucoup. Je le niaise en plus. Même dans son podcast, je suis allé. C'est rap politique. Je suis allé dans son podcast, je le niaise, les gars, là, je... ça, ça me fait rire. Bref. Euh, je voulais l'inviter, lui, avec Rano. Non. Je voulais l'inviter avec Annie Annie Soleil Proto. Tu connais-tu? qui parle beaucoup du rap à salut bonjour genre à, la, à la télé TVA un shit le matin salut bonjour whatever elle parle tout le temps du rap lui comme elle parle pas assez du rap <coughs> des, 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 des de la culture genre noire puis là je comme ok je vais t'inviter non 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 zéro peut-être c'est pour ça c'est ça fait que là je veux les inviter <rire> ensemble je veux que je veux je mais non mais Kiki c'est un c'est un gros c'est un gros gars Ouais. puis, hein? puis honnêtement euh, KK je a... -tu moi? oui 100% ouais. non, non c'est vraiment un gros G pour elle il est vraiment fucking cool Genre, il m'a expliqué plusieurs, euh, plusieurs... Yo, des shit que je savais pas du tout sur l'histoire, puis honnêtement, fucking intéressant, man. Le gars, c'est un... C'est un, un, un livre, là. C'est une encyclopédie, là. Il est fucking cool. Bref, anyway. C'était juste pour me rattraper, à guess, sur la joke poche, Ouais, mais Trop tard. <laughs> OK, OK. Moi, maintenant, j'ai mal compris, KK parce que moi, j'ai Moi, je t'ai écouté, <laughs> mais si je comprends bien... T'étais comme, euh, je connais un noir, tout ça c'était pour ça? Ah! <laughs> non, 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 non! Non, c'est parce qu'on a parlé de la politique! Il a pas de la politique! <laughs> tout ça c'était pour se dédouaner! c'est ça!

Ah, Marbex! Ah, you, t'es laid. Non, mais Chris, là on, est, là, on est là, là, on est là, là, on est là, là. Est Mais est la beau. vérité, c'est que non, KK, Real Talk, tu re-checkes, rap ouais, ouais, c'est vraiment cool. Ouais, tu m'as intéressé, tu sais, tu me dis que se connais talk, plein de choses sur l'histoire. Moi, je j'étais intéressé, words, puis après, t'es comme, je connais un autre. C'est yeah, fou, bro! Oh les gars vous êtes whack For real Oh wow vous êtes whack <laughs> Et au fond no. date, La même façon Ça c'est le karma Qu'on appelle ça qui, La même yeah. façon Que t'as hijacké Une radio étudiante Quand t'étais kid C'est rendu notre podcast well, Ouais okay. on a hijack Alright right. Fait que Yo y hijack le, nuit, le podcast euh, Le temps de mousse euh, On veut être avec euh, vos hosts Preach puis euh, Penterlis On a notre co-host Ici Posédon On reçoit Adamo Adamo de hey, le Merci beaucoup Merci à vous, hey. vous merci merci beaucoup. Beaucoup. Bienvenue à notre podcast Le temps d'une aigle Non Oh. 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 L'intro, c'est un grand oiseau qui fait. <laughs> Ah, cest que c'est bon, là? Hein? Non, je trouve ça bon, je trouve ça bon, tabarnak. Okay. <laughs> On est venu ici à te boulier. Ah, ben non, big. Il n'y a, a jamais rien de pire anticipateur, t'inquiète. Mais, mais non, mais c'est vrai. Man. Bref, anyway, tout ça pour dire que Keke shout-out. <laughs> bon. Ton shout-out, il ne sert à rien. Là, Le shout out, il ne sert mal, plus à rien. On dirait que c'est rendu juste complètement ridicule. Ah, c'est vas c'est faire bon. ramasser par Kéké, man. Tu penses? Ben non. non, ben, non J'ai plus de chances de me faire ramasser par Keke que toi. Pourquoi? Ouais? Pourquoi tu dis ça? Ben, t'as fait la joke. Ouais. Moi, je t'ai pas, pas tombé en mode. Oh, tu ah, tu m'as pas tabassé. Moi, je suis pas tombé en mode Yo, man, c'est quoi le rapport? Mm. Qu'est-ce que tu dis, Whatever. Tu comprends? Oh, ben, il, est est vrai, il est vrai, Non, 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 même non, pas, non, pas, même, pas, pas même pas, y pas y y même y y pas. qui qui c'est un. Non, non, il est chill, il est chill, for real. Il est fucking cool. Bref, shout out à Rapolitik, mais ouais, man, c'était de la bonne. Yo, French Cast, un des podcasts les plus populaires au Québec. Pis l'épisode ouais. qu'on a fait ensemble, c'était ouais. fucking bon. On les épisodes qu'on a fait. Non non mais l'épisode qu'on vient de sortir, c'est incroyable ouais. bro. t'as pas entendu, t'as pas lu les commentaires ni rien. Non j'ai pas vu, c'était fucking malade bro. Big en plus, moi là j'étais comme yo j'ai pas bu de bière, j'étais relax, j'étais trop veg, j'étais comme oh man j'ai l'impression que je vous ai chié ça dans les mains man, je m'excuse guys. Non, non mais la vrai... première fois t'as chié. Wow. Non, no, non, littéralement. Ah, là, 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 là. Okay, ouais, littéralement. Je suis comme, you fuck you, Non Non, pas de même, mais littéralement. Yo, the le premier épisode... The, yeah, well, the building wanted to kill me. That's every day. <laughs> what, what, what? When he had blocked the toilets, you had blocked them the day before. Oh, yeah. So they're like, what are you people doing? Mais c'est pas ça qu'il fait tous <laughs> les <laughs> jours. Big. You all eat cardboard. Tu sais ce like, qui est drôle? La je... première chose que j'ai dit en rentrant dans la house, j'ai dit, yo, les toilettes sont là, vas-y tout de suite. <laughs> bon, si tu puis veux. lui il était comme ça quand il est rentré il dit, non j'ai pas besoin non non pis moi ça fait trois fois j'étais comme t'es sûr bro avant qu'on commence le podcast est non sûr, non il fait on fume pis comme oh, je, je dois aller chier bro non mais c'est parce qu'il a pris <laughs> une clé tu sais que ça fait la coke là oh shit faut ah, aller ouais. chier là pas de quoi tu parles moi c'était mmh. la cigarette je pense euh... ah ouais non c'est la cigarette non, non. ouais c'est la cigarette a qui a déclenché, déclenché. ah oh, ouais hein, déclenché. Oh, oh, ça a déclenché ça l'eau fait-tu ça non, de... euh, café pis non cigarette. Plus. Café, oui. Je ouais. suis Mais attends, ah, toi aussi, tu devrais... Attends, the... tu devrais. Words on the Attends. après la plus forte conversation. C'est des mots 500. Fait... 500 là, fait que... Ah, pour vrai, t'es zéro, t'es zéro, de... zéro euh, drogue. hein? Ben, moi, le weed, je commence ça va de la drogue. Maman, encore là, j'ai commencé en 2021. Non, mais, c'est une question. Vous autres guys, drogue. Ça dit quoi? C'est quoi la question? Je veux mettre du weed au aussi. C'est ça la question. Drogue. OK. Si on en a déjà fait. Dans ce gars-là, il n'y en a pas, non, a pas fait, Trois, sois, sois, a Moi, je ne suis pas un gars de drogue. Mm. Lui, il est clean as always. a whistle. Il J'ai fait du pot euh, au secondaire. J'ai mais... fait du pot. <laughs> ouais. Comme j ai j ai fumé du, du weed. <laughs> du pot. Non, non. J'ai fumé un pot à un tout. moment donné. Euh... Mais non, mais je rien, rien, Mais ouais, as eu de potes Ah, c'était juste ça, mais j'ai arrêté parce que je devenais trop bizarre et parano. Anxieux et tout. Ouais, et tu commences ça. à dire dire, tout le monde me regarde. C'est ça, ouais. Fait que j'aime pas ça, ce n'est pas pour moi. On dirait que c'est une affaire de. C'est une affaire de keb, la drogue. Non, la Pardon? drogue, c'est international. J'essaie de oh, faire exprès pour ça, avoir entendu, des clips. J'essaie de parler de clips. De Mon ah. ami Tony Montana, <laughs> il est zéro keb. Non, ah, non, C'est pas une affaire de keb. Là. Non, mais je niaise. C'est parce que je m'en allais dire c'est une affaire de blanc, mais là, je me suis dit. Ben, tu sais, euh... moi, je pensais aussi, mais c'est vraiment pas C'est pas vrai. Man. Non, mais en plus. Tu sais, moi, pensais... moi la... quand j'étais jeune, c'est à cause de ton entourage, tu sais. Quand j'étais jeune, quand j'étais petit cul, je pensais que la cigarette, c'est une affaire de blanc. non, c'est juste. Mon entourage, personne fumait. Ouais. à un moment donné, j'ai eu un oncle qui fumait, lui. Là, j'ai dit, ah non, finalement, ça n'a pas rapport. Mm -hmm. Mais c'est comme, c'est juste une question d'entourage. Je sais pas, parce qu'on disait que, genre, la seconde où je rencontre des gens qui sont moindrement pas. Honnêtement, honnêtement c'est real, ce que je dis, là. Pas keb. Dans mon entourage ou dans ma vie, en grandissant. Je suis en train de double down on the black guy. I'm, I'm <laughs> <for> le crack! <laughs> Just, juste le dire, crack, c'est non, juste. Non, mais pour juste veux dire noirs. que moi, j'avais des amis noirs, puis pour vrai, ils ne prenaient pas de drogue, c'était des. Il était étudiant, il était studieux, était super cool, ça. il jouait au basket, il était fort. Okay? Nous autres, on était des <laughs> mardes. Non, non c'est vrai. Non, mais. Surtout, <laughs> il, il ne volait pas. <laughs> non, mais Real Talk, c'est moi qui volais. Mais anyway, euh, mais, mais, mais pour vrai? vrai? Euh, ben, je volais, mais je volais les. les, les, les épiceries, non, mais je les veux dire c'est ça. Euh, tu sais, je volais pas les gens. Tu sais jamais. Anyway, le, whatever. Le, on on s'en va où avec ça. Bref, tout ce que je voulais dire, c'est que moi, je me défonçais. Puis genre, j'ai remarqué, honnêtement, que ce soit des Grecs, généralement, tous ceux qui n'étaient pas keb dans le spot se défonçaient pas n'importe Parce qu'on a peur nos mères. Nous, il faut qu'on rentre à la maison, là. vous elles le là comme « Ah, salut, ça va? T'as un peu les yeux rouges, tiens des gouttes. » Nous autres, là on se fait ramasser. On se fait battre. on se fait battre. Une petite gogo dans l'air de la tête, puis gogo dans la tête, c'est un bonus, ça, c'est un gogo dans la tête. Moi, ma, Mon père était fucking sévère, mais mon père était très malade. Fait qu'à partir d'une certaine âge, j'étais plus là, puis là, j'ai plus eu peur. Parce que des coups de balai, man. Oh shit, man. C'est rough. Coup de balai, Yo, real talk! Ok, qu'est-ce qu'on pense de ça? T'as des kids. Claque en arrière de la tête, un petit revers de la main, là. Hey, tabarnak. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qu'on en pense de ça? Est-ce que c'est good? Est-ce que c'est pas good? Est-ce que t'es est... Est comme, ok, non, 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 faut, faut y parler? Ça dépend de quel âge. Pardon? Ça dépend, like, ça dépend de quel âge. Donc, so, par like, exemple, oui pour certains âges, non pour une autre âge, right? ouais. Mais ça, ça dépend de ce qu'il fait. Dès qu'il est capable de se mettre en équilibre sur ses jambes-là, pow! Puis <laughs> non, mais real talk, c'est une vraie question. Je suis <laughs> vraiment sérieux. Genre, dans le sens où. Parce que moi, j'ai été élevé quand même avec une coupe de claques, là. Puis on dit que ça m'a quand même bien élevé, dans le sens où je genre, oh, OK. Moi, personnellement, bon, j'ai vu beaucoup de choses d'autres familles, puis d'autres enfants aussi. Je pense, oui, il y a des enfants où c'est comme, OK, il euh, y a besoin de ça, il y est trop. Mais ouais. personnellement, de qu ce que j'ai vu avec mes neveux puis tout ça, c'est pas ça qui marche, c'est de leur parler vraiment. Pas de crier, pas de parler comme à eux de loin, de vraiment leur regarder dans les yeux puis dire, ça, c'est pas bon à cause de ça. Ça, si tu fais ça, moi, j'avais un, un de mes neveux, il est devenu comme, euh, il était en école secondaire et il commençait à changer, il est devenu leur shit, c'est crier à sa mère puis tout ça puis un soir moi juste allé là-bas moi puis juste direct je l'ai pris, bro je l'ai mis par terre puis je dis écoute puis j'ai juste parlé directement dans les yeux ça et eh ouais ça c'est fucking pas bon tu penses pas puis mais je te dis genre comme un homme là comme un homme mais vraiment vraiment direct puis je dis arrête de faire ton tof parce que c'est ta mère puis moi si tu veux tu veux quoi tu veux être agressif? tu veux crier? imagine que moi je t'ai agressé avec toi t'aimerais tu ça tu sais puis j'ai expliqué tout en yeux. Dit, puis j'ai demandé des questions est-ce que t'aimes ça ton comportement envers elle comment tu t as parlé avec elle c'est ta mère tu penses pas plein plein de choses puis ça ça fait comme 8 ans de ça. Tu t'en souviens encore, hein Bro, c'est il a changé complètement. Complètement. Mais c'était vrai, il avait ma sœur faisait pas ça, C'était juste de loin comme arrête de faire ça. Arrête, c'était pas des vrais comme hey fuck, Stern, tu peux pas faire ça. Parce que sinon, c'est comme ça que ça, ça t'aide pas. Mm -hmm. Regarde pas tes amis stupides, c'est eux c'est des cons, lui il va faire ça 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 dans sa vie. T'sais, non, tu veux pas être comme ça. Tu veux travailler, te faire te voir, puis j'étais vraiment direct mais je l'aurais dans les yeux. Puis j'étais fucking tough avec lui. Puis c'était comme un choc pour lui, quand oh quelqu'un me parle directement, tu vois? J'avais pas besoin à le frapper, à leur faire peur, juste, hé, hey, ça marche pas, puis pour so, ça... juste le prendre comme un adulte, puis lui parler comme un adulte... Pas en comme disant, un adulte, c'est juste... Non, mais pas comme un adulte, mais le euh, considérer. Oui, par exemple, Et au lieu de dire à un enfant, arrête, non, fais pas je vais être fâché. Non, non, hé, hey, qu'est-ce que tu fais là? Ça, ça nous appartient, tu veux pas le briser, ça coûte de l'expliquer, tu sais, pour moi au moins. C'est ça que moi je pense. Moi je, moi je trouve ça fucking 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 good. Ben je sais ça? pas si. Ben, ça dépend parce que ça se peut que moi j'ai un enfant. Peut-être que le futur, lui ça marchait, puis, mais d'autres ça. ça marche pas. Ça, sais, ouais. Je tombe sur un enfant qui est une fucking vidange. Puis si tu le claques pas, ça peut, ça se peut aussi. Moi j'avais moi, des amis, j'avais certains amis que j'étais jeune puis je voyais que lui ça va devenir une vidange. N'importe quoi. même si tu rentres dans la prison, il va pas changer. Ça arrive des fois. Mais pour la plupart, c'est bon de leur expliquer, ne pas juste de crier de loin. Hé hey, euh, moi je déteste ouais. les parents qui sont comme ça. Non, arrête. Moi j'ai eu ceux qui crient non-stop aussi. Pas, pas, Mais pas ça les... crie pas. Crie non-stop, Assi... ça explique, agosse. ça c'est pas bon à cause de telle raison. Essayez de, tu sais. Raisonner. pas les. c'est pas, les... pas les ouais. parents essentiellement. Il faut faire la distinction. différence entre des. Est-ce gens... que t'as est des kids Non. Faut faire la différence entre Ils des gens qui bon. ont des, euh, euh, qui veulent des enfants, puis des gens qui veulent être parents. La plupart mmh. des gens. Oh, plupart oh, gens. La plupart des gens, je vais l'expliquer. La plupart des gens veulent des enfants. Sauf que ça, ça te délaisse de toute responsabilité. C'est avoir une possession, avoir un truc. J'ai un téléphone. Tu n'es pas responsable du téléphone, c'est juste une possession que tu as. Je veux des enfants, tu vois juste le beau de la chose. Parce que c'est beau, c'est cute. Euh, si si c'est cute, tu es rendu dans ta vie ou peu importe, ça va sauver ton couple. Peu importe c'est quoi, tu as, as raison. Mais les gens veulent des enfants. Qui, ce qu'ils ne pensent pas à, hein, c'est être un parent. Ce n'est pas juste d'avoir une possession, c'est de faire une, une, une réalisation consciente que c'est un rôle que tu as à jouer. La minute que tu es un parent, il faut que tu te mettes ton toit, il faut que tu te mettes ça de côté. Là. It's de not même, about non. you anymore. Tu le numéro 3, 4 avant. To, ton enfant va passer en premier. Ta femme, ta femme par rapport à ton enfant. Là, mm -hmm. Non. Ton enfant va passer en premier, la mère des enfants va passer en deuxième, tout va passer en, en troisième. Ta business euh, va passer en troisième pour pouvoir. Et, non, hein, quoi, et Tu ouais, dombes dans le ranking. Et faire ça. Évidemment, ta business dans un monde idéal, mais être un parent, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment complexe. Avoir des enfants, n'importe qui peut avoir des enfants. Hein? Être un parent, c'est pas n'importe qui qui peut être un parent. C'est pour ça que je dis, quand t'es parachute et t'es juste comme, c'est comme si c'est un animal. Non, arrête. C'est comme, bro, tu dois mettre l'effort, tu dois leur parler, non, tu, tu dois t'asseoir. Ça prend, euh, un, un parent prend, ça prend beaucoup d'efforts. Il que tu beaucoup que tu répètes, il que tu parles. C'est pour ça qu'il faut que tu te poses la question veux, -tu, je veux des enfants Tu n'as pas d'enfant Non, pourquoi tu n'as pas d'enfant ben, Pourquoi j'en aurais et Là, il me semble que tu n'as rien dit, là. T'as rien dit, là. Me semble que c'est pas un exemple, c'est pas, un, pas une raison. Pourquoi est-ce que j'aurais des enfants? Faut que tu te poses la question, là. Le « je suis rendu là », non. Pourquoi t'en veux? Ouais. Est-ce que tu es prêt à en avoir? Est-ce que tu es conscient de toute la responsabilité, la charge mentale, le, le stress que ça... Est-ce que, est que tu veux faire vivre ça à ton enfant? C'est -ce ça, les gens, ils se posent pas cette question-là. C'est fucked up là. Il ben, y en a, y a qui se la posent pas. Je le problème. pas la majorité ne se pose pas la question. Je ne t'exagère pas. Je, je connais du monde que leurs parents le, leur traitaient moins bien, beaucoup moins bien, que qu'est-ce que, qu que moi je traite mon chien. Ah, normal. Tu comprends pas. C'est mmh. même pas mon chien. Mon chien, la manière où je traite mon chien, ma chienne, ma petite, là comparé à des, des personnes que moi j'ai grandi avec, comparé à leurs parents, comment leurs parents leur traitaient c'est bien deep c'est pas, hey, pas oh, deep c'est juste dans le parler moi quand j'ai eu mon chien par exemple c'était une responsabilité je savais tu sais, il était handicapé je voulais la sauver je savais que ça va être difficile. A avant les premières deux années, elle jouait même pas. Elle a toujours peur comme ça. C'était beaucoup d'efforts, mais je savais dans quoi je rentrais. Alors, quand le monde dit hey, Pourquoi tu peux pas sortir? Pourquoi tu dois rentrer plus tôt? pour C'est ton chien, c'est ton chien. » Moi, j'avais pris la décision conscient que ma vie va changer. Ça, c'est pour un chien. Il y a des personnes, comme il qui ne peuvent pas. Ils sont pas conscients de ça. Avec des fucking êtres humains. Ouais. C'est ça, le problème. Moi, je savais, alors, moi, quand je pense, moi, j'aimerais ça avoir des enfants. Moi, je pense à ça. Déjà, dans ma tête, je, je suis déjà conscient dans ça. OK, je dois changer plein de choses. Je ne peux pas être loin trop longtemps. Je, il y a plein de choses dans ta vie que tu dois changer parce que tu veux avoir une famille, tu veux avoir un enfant. Tu peux juste le laisser comme ça, comme une chiapette. Tu mets de l'eau, puis tu, si tu, même avec des chiens, si tu fais ça, ils ne sortent pas bon, bien. T'sais? Tu dois mettre l'effort, bro. C'est beaucoup de travail. Faut que tu parles avec tes, tes 100%, parents. 100 hein. Faut que tu parles avec tes parents. c'est te la raison pour laquelle ça a pris du temps, man, avant que je parle avec ma blonde. J'étais comme, yo, oui, je veux les enfants, j'aimerais ça en avoir. Ouais. Mais comme, avant que j'en aille, man, fuck. Mais ben, c'est ça, il faut que tu sois rendu là aussi. On est euh, comme, t'es pas prêt, t'es jamais prêt. Oui, puis non. Je, veux dire, un, je un, comprends un, le point de t'es jamais prêt. Je comprends parce que c'est vrai que oui, t'es jamais prêt. Sauf que mais il faut un minimum. Il y a des niveaux de préparation. Exact. Non mais j'adore la façon que t'as approché ça, bro. Non mais c'est la première fois que je l'entends aussi comme actually clair et fucking genre ce que je pense aussi. Genre, Je trouve ça vraiment actually fucking good ce que je viens de dire. Merci, ben hein. ben C'est bon juste que c'est. Les gens se posent pas vraiment tellement de questions. C'est-tu une raison là, pour laquelle tu la... t'en as pas? Non, c'est juste pas arrivé. Tu sais. C'est juste que comme tu disais, l'affaire la, de. Il y, y, y a des personnes qui traitent leur enfants pire que certaines personnes traitent leur chiens. Mm. Euh, juste dans le parler, là. T'entends deux personnes parler, là, j'entends... Ah, fait que tu es un enfant, oh, ouais, ma blonde voulait des enfants. Ouais, c'est déjà là, bro. Pardon? Recule ça deux secondes. Ah, ouais, ma blonde voulait des enfants. Puis toi là-dedans, tu as fait des enfants pour fermer sa gueule. Mais ça, ça va se. C'est une c est, c est, ça, va, ça va se traduire dans la façon que tu vas traiter. Ouais, puis inévitablement, ça va se ressentir. Va se dans dans l'enfant, l'enfant le, il, le, il va le. le vivre. L'enfant, il a le rien demandé là. Il n'y a rien demandé, il n'y a pas de demande. À moins qu'il y a un miracle X, là, tu tombes en amour et que tu réalises. Là, mais, comme... ben ouais, mais quand même, déjà, à la base, oh tu ouais, n'as ouais, ouais, pas ouais. eu des enfants pour les bonnes raisons. C'est fucked up un peu de faire vivre ça à un être humain. En puis même temps, il y a tellement d'êtres humains qui vivent des choses fucked up. Ouais. Ce n'est pas ça le point. Non, non, je, 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 je suis d'accord. là Ce n'est pas ça le dire... point. Pis oui, il y en a tellement qui vivent des enfants fucked up. Ceci étant dit, ce n'est pas une raison. Non, 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 100, 100%. Ce n'est pas une raison. Ce que je veux dire, c'est comme des fois, j'ai entendu tu sais, des, des histoires. J'ai des boys qui sont. C'est des estides d'humains incroyables, man, qui ont vécu des shit. Je... Mm. C'est des humains incroyables aujourd'hui. Fait que, tu sais, je suis quand même content que malgré tout, ils soient là. Mais je veux dire, ouais. C'est sûr que dans le meilleur des mondes, tout le monde est conscient de, de, de tout ce que ça implique. C'est du temps. C'est ça, man. C'est qu'au final, ton enfant est premier. La femme ou ben ton partenaire avec qui tu as fait l'enfant, deuxième, après ça, ta business pour être sûr de pouvoir. Dans le meilleur des mondes, oui. Euh, faire, faire du cash pour. pour, pour, pour aïe, aïe, c'est fucked up. Toi, qu'est-ce que t'en penses D'avoir de, des enfants Ben, c'est important, mais je suis d'accord avec Preach. Tu veux, tu veux avoir des enfants, ça? Éventuellement. Et ouais. le gouvernement l'avait déjà stérilisé okay. à cause de sa condition. Ouais. Ouais, c'est ça qui est arrivé, hein mais, mais, mais c'est parce que je pense à mon enfance souvent. Puis oui, c'est dur, mais en même temps, je pense... Euh, moi, l'histoire qui me revient toujours en tête, c'est Cristiano Ronaldo. Mm. Ils ont essayé de l'avorter avec un coat hanger. <coughs> Puis check, ouais. il est rendu où? Tu savais pas? Tu savais pas son histoire? Parce qu'il n'y avait pas d'argent, il y avait déjà trop d'enfants. Cristiano Ronaldo, ils ont essayé de l'avorter avec un code littéralement old school, parce qu'il ne pouvait plus nourrir d'autres enfants. Puis il s'est rendu un multimilliardaire. Euh, je sais pas si c'est vrai ça, mais je le crois parce qu'il a l'air d'être. Euh, mais regarde, peut-être c'est pas, <laughs> pas Mais je l'ai lu. Je ne sais pas. C'est exactement ce que je disais. Cristiano mais, Ronaldo, c'est une uh, failed abortion. Ouais. Okay. Mais la vérité, c'est un peu ça que je disais, dans le sens où c'est plate parce que ce que ce que lui dit faudrait que tout le monde tout chaque être humain qui pense veut comme ça. Prêts, pense ouais. comme ça mm. malheureusement c'est pas possible Même moi, mais je pense, la vraie le fait que, lui... que les enfants veulent pas il y en a qui y en a qui sortent qui sont issus de familles qui sont peut-être dysfonctionnelles ou whatever ils mm. finissent par être des colles de légende c'est là où je suis comme fuck man oh mais ça empêche rien c'est juste que mais c'est juste que dans le meilleur des mondes consciemment je veux dire, si il Faudrait que tout le monde soit conscient. Pourquoi, pourquoi je mettrais au monde quelqu'un comme ça Ah oh ouais non mais il va être correct. Okay, voilà qu'est-ce qu que tu penses justement à ça Est-ce que tu penses que peut-être que des fois il y a des, ouais, des, 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 des légendes qui, qui, qui sont issues de from the bottom just because they live the bottom Ouais, 100%. Ouais, 100%. Moi, euh, à, si j'avais pas mon parcours, lui s'il avait pas son parcours, on serait mais des moi, personnes différentes. C'est logique, tu, tu grandis dans d'autres environnements. Moi, euh, une partie de la raison pour laquelle je peux travailler pendant. Toute la semaine, toutes ces tout heures. de Lui, c'est un workaholic, guys. Ouais, mais moi, je suis sûr que mon parcours, tout ce que j'ai vécu, a beaucoup à faire avec ça. Sinon, Sans si j'étais plus confortable, j'avais rien, j'aurais pas cette anxiété, cette stress-là pour travailler, pour faire ça. J'aurais pas de raison. Mais maintenant, c'est comme si je pense à chaque moment, oh, ça peut terminer si je ne mets pas de l'effort. Si je mets pas de travail, je dois travailler sur ça. Je dois le faire. Le, ça, ça vient, c'est sûr que ça vient de mon environnement, de quest ce que j'ai vécu de ma vie. Sinon, je serais une personne différente. c'est bien ta personne aussi. T'es quand même, je veux dire, t'es quand même. Ben, I guess, ta personne vient aussi d'où tu viens. C'est ça. Non, il Yeah, I get it. Parce que juste dans ta façon de parler, juste dans votre façon de vous exprimer, puis tout, je le vois clairement, là, t'es comme. T'es quelqu'un qui est comme always on edge. Pas on edge, genre, je vais péter une coche, mais plus on edge, genre, je suis tout le temps là. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi, ça? Non. Tu ce que je veux dire? C'est-tu c'est gars-là, il est quick sur les sur jokes, man. C'est qui me yeah. tue, <laughs> <laughs> fucking pantaliste, bro. Oh, il y a un bon clip aujourd'hui, bro. Je fais un podcast avec Nive le French cast. Il mm. y a un moment oh, sérieux, dude. bro. Oh, C'est un clip pour toi, bro. Tu vas fucking. Oh, je t'ai mentionné dans le podcast aussi. Oh, yeah. Ouais, parce qu'il était impressionné. Il un moment, il dit, oh, tu sais pas, euh, un humoriste. Tu sais, il, il parlait d'un humoriste. C'est un bon humoriste. les humoristes qu'il aime, lui. Il dit, il est très impressionnant, le gars Simon Leblanc. Je dis, moi, j'ai quelqu'un plus intéressant. Le, le noir. Okay? Alors, arrête wow. avec toi. Arrête avec toi. Arrête avec toi. Puis, comment ça arrive? Mais après, plus tard, bro, on est dans une conversation sérieuse. OK, c'est pas sérieux. <laughs> puis, on parle de comment, tu sais, les fans. Tu sais, t'as des fans, puis ils t'aiment, puis tu les rencontres, tout ça. Puis, lui, fait la radio, mais non. Alors, t'as plein de gens qui t'écoutent, puis ils ne il, il savent pas que tu fais du stand-up. Alors, il y avait un gars, il dit, le gars, c'était un Québécois. C'était un vrai Québécois. Il vient me voir, puis il dit, hey, je savais pas que tu fais du stand-up. Alors, puis j'aime pas ça, l'humour, mais je suis ici pour te voir. Il était comme, oh, cool. Alors il dit, je fais mon spectacle, je termine, puis hey! Le gars était comme, oh, yeah, yeah. moi, je savais pas que... Puis dès qu'il dit, moi, je le coupe, je dis, que t'es une fucking juif! Puis le gars, il est comme, non, non, c'est pas ça qu'il a dit! <laughs> c'est pas ça qu'il a dit! <laughs> le gars était heureux, mais il est dans le mode sérieux. Il dit, je savais pas que t'es un, puis moi, je le coupe right away, bro! Ça, tu tout le temps ça. Oh, tu comprends? mais c'était drôle, on riait, bro, ça va être un bon clip. Oh, uh, man. On l'enregistre pas <laughs> Tout a coupé. Depuis tantôt, il ah, n'y a rien <laughs> qui, a, qui a enregistré. est enregistré. On du... repart. Uh, non, mais On ça, repart à zéro. Dire, les moments comme ça dans les podcasts, moi, j'adore quand c'est sérieux puis tu rentres dans quelque chose puis moi, j'ai faim. Et toi, quoi. la Palestine, qu'est-ce que t'en penses Oh shit. Bon, on rentre dans, dans ça, bro. Non, non c'est une joke, c'est une joke, c'est une joke. Hey, big, big, big. Chris, tu viens de me dire, tu de me de parles des juifs. De la situation ou de qu'est-ce qui se passe non non, 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 on parle pas de ça. Tabarnak, c'est trop moi deep. Je suis... là. Moi, je... Mais le pire, c'est que ça me dérange pas d'en parler. C'est juste que je trouve que... laisse que... Moi, Chris. juste, tu peux pas trouver une couche. Je, côté... assez... je suis pas assez au courant. La vérité, c'est que je serais juste une bitch de faire comme si j'étais au courant de exactement tout ce qui se passait depuis fucking 1944. C'est mais... même pas ça. Moi, moi, ma position est toujours la même. Moi, moi, je suis pas un gars de guerre. Je déteste la guerre. Je, tout le monde qui veut la guerre, c'est parce qu'ils ne savent vraiment pas c'est quoi la guerre, puis de perdre des personnes pour rien, puis tout ça. Alors, si tu veux la guerre, tu veux tuer des, des gens que tu connais tu réalises pas. pas tu ne réalises pas comment c'est fucked up. Alors, moi, je ne veux juste pas que tu sais des enfants n'importe quoi c'est des musulmans des juifs des grecs je veux pas qu'ils ils se font tuer c'est ça ma position la seule chose des, non, non, des non, grecs. juste non non mais euh, moi ceux qui me forgent beaucoup <laughs> les autres euh, moi ceux qui me forgent beaucoup maintenant c'est des, des, des pays comme le Canada des oh, pays que traditionnellement oh, 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 ouais c'est oh, vrai oh, mais et oh. c'est pourquoi je suis forgé traditionnellement il était supposé être des pays que quand il y a une une, une fuck up comme ça tu dois rentrer bon oh, on arrête ça Qu'est-ce qu qu'on a fait? On a, ouais, habituellement, on vient de donner de l'argent aux, aux deux côtés. On dit « Ah, c'est pas cool », mais on met pas des efforts pour essayer de la paix. Les États-Unis, ils donnent les armes aux deux côtés. Co c'est comme, comme on s'en fout de la vie humaine et ça, pour moi, c'est dégueulasse. C'est comme... Tu choisis... Ouais, et rentre et dis non, on ne donne rien, on arrête ça, on ne peut pas vous laisser faire ça parce que c'est so toujours des personnes innocentes qui vont se tuer. Mais non, il ne va pas. Et on veut faire l'argent, on va faire la politique, on fait plein de choses. C'est ça qui m'énerve puis je deviens passionné. Mais l'autre chose, euh, pour la guerre, moi, je ne veux pas de la guerre. Fuck that. Pour personne. J'aime ça. Ça ne te ramène rien. Parle, Mais parle parce à que des vérité... gens qui ont vécu des guerres. Parle à, parle à des personnes qui ont, ils viennent des pays qui, ont, qui viennent de vivre la guerre. Si... Les atrocités qui ouais. se passent pendant la guerre, bro, c'est pas humain, c'est comme démonique, c'est satanique, bro. Tu veux rien ben, savoir que, de mettons, ça. Moi, mes beaux-parents sont arrivés à cause de la guerre du Vietnam. Ok. Jeux qui m'en ont parlé. Pis... Ouais, ouais, c'est fucking fun. C'est pas comme un jeu vidéo, bro. Tout pas est nice, fucked up. Tu veux, moi, je veux rien savoir. C'est vraiment de pas ça. nice, le real talk, là. Bro, les, les Grecs, bro, euh, on a vécu plein de choses. En... Puis à, même après les Allemands, la guerre civile, c'était pire que les Allemands. Des Grecs... Bro, imagine des frères à cause des différences politiques. Un, bro, il y a une, dans, dans le, le village de ma mère, okay. c'était des deux cousins, bro. Plein de gars, parce qu'ils il faisaient partie d'une du, du, autre partie politique, c'était des communistes contre les, les loyalistes, c'était même votre démocrate, whatever. Euh, ils, ils ont forcé le gars, puis c'était leur cousin. Non mais oh, on, on recule en quelle année, là? Il, euh, ça, c'était les ouais. 50, les fin 40, fin okay. 40. Ça, c'est pas beaucoup, c'est pas c'est pas, pas loin. Ça, euh, il, il déguait son propre grave, ils rentraient dedans, ils ont coupé sa langue, ils l'ont enterré pendant qu'il était encore vivant, puis ils ont parti. Puis ça, c'est sa famille. Bro, ça c'est des premiers cousins, ok Pour la, la guerre, ramène rien de bon. C'est le plus, la côté la plus dégueulasse du monde. Si tu penses que tu sais que, si quelqu'un est dégueulasse à cause qui, je sais pas, il crie, il dit quelque chose de raciste ou genre il fait caca sexiste, parce qu'il veut, il Comparé est à qu'est-ce que l'être humain fait dans la guerre, il te voit pas comme une être. Moi, je veux me tenir aussi loin de ça que possible. Euh, toujours, je veux faire euh, tout ce que je peux pour négocier parce que je te dis, bro, euh, c'est affreux, c'est satanique. Le pire arrive dans les guerres. Le pire. Puis c'est jamais les gens qui ont commencé la guerre qui payent pour ça. C'est toujours les gens qui ont Mais rien à C'est ça la vraie, véritable fucking ouais. Mais ça atrocité. C'est le fait que c'est du monde qui ont, ont même pas de pouvoir, man. Ils peuvent même pas décider sur leur sort, leur propre sort. Man c'est là où mais en tout cas là, là on s'en va loin là c'est deep là mais c'est juste il n'y a, a pas une excuse on, les policiers nous parlent comme si oh we have to go to war avec eux oh il y a une guerre là on doit rentrer we dans ça we have to mais non bro on, on, pourquoi est-ce qu'on commence une guerre à chaque deux mois c'est une guerre c'est des êtres humains qu'on va tuer c'est fou on a la technologie c'est regarde qu'est-ce qu'on peut faire maintenant on a des podcasts tout ça on peut trouver d'autres manières on de... Est... On va non, résoudre non, toutes mais les guerres non, en la technologie. On peut faire de quoi? On, on met des milliards sur des, des, des choses qui sont stupides. On peut faire un effort, bro. Moi, je veux rien. Moi, je ne veux pas m'associer et faire rien que mon argent aide à tuer du monde. Puis je sais que inévitablement, ça, ça rentre là-bas. Puis je, je, je aide à tuer quelqu'un ou à aider une guerre ou au autre. Puis c'est fou quand je pense à ça. C'est dégueulasse, bro. Je suis tellement d'accord, man. Ça fuck, on dit que ça me touche, man, ça me ma fuck, man, ça me fuck, C'est fucked up, bro, je te dis. Ouais, a posé la question, mon chien. Ouais, <coughs> ouais mais, mais cool. euh, en même temps, c'est bon qu'on en parle, man, parce que... Demande-lui à propos de la guerre civile, bro, demande-lui si uh, en Haïti, c'est cool, ça. C'est pas cool, bro. C'est pas cool, man. C'est des pas personnes qui se connaissent, bro, c'est des familles. Ben, avec Ticket, j'en ai parlé un peu, là, ben, off podcast, là, mais on en a parlé, puis tabarnak, big. C'est fucked up, parce que ce, ce gars-là m'a conté qu'il a vu, là. Puis lui, qu'est-ce que tu penses qu'il peut faire avec... Ça, ça reste avec toi, bro. Ça, ça reste génétiquement, sûr, là, bro. Ça, ça, ça reste. Non, mais tu sais, des fois, mettons, le monde, ils se disent... Ah, là, money, revenez-en, là, tu sais, à autre chose. Ouais, passez à autre chose, c'est facile à dire difficile. quand que tu sais que toute ta famille au complet s'est fait péter par euh, un autre, un autre, un rivaux, whatever. Puis c'est sûr, là, moi, mettons, je me, je me reviens de bord, là, vous autres, vous êtes avec moi, puis tout, ou mes boys, puis non, ils se font tout... Pap, 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 pap. C'est sûr que je vais me venger, là. Mais c'est ça, ça termine. Là, ça n'arrête là, ça jamais, man. Ça là, reste jamais là, ça, même. Ça, c'est même ça. C'est jamais ça l'affaire. C'est ça le problème. Ça, ça. Moi, bro, la, la Mais C'est Grèce... normal que ça n'arrête jamais dans le sens où, genre, il faudrait juste. Qui Comment on va faire Il faudrait que des humains soient tous. Mais tu dois comprendre que c'est une autre. Par exemple, fuck moi, it, les Grecs ont it. eu plein de problèmes pendant les années avec les Turcs. Okay? Avec la mm -hmm. Turquie. Moi, c'est ben mm. très deep. Mais si tu me demandes, moi, je veux pas. Moi, j'aimerais mieux que on regagne jamais le territoire grec. Si tu me dis que pour le gagner, on doit tuer des Turcs maintenant, des gens qui n'avaient rien à faire avec un innocent, moi, même pas un, moi je ne veux rien savoir de ça, je préfère vivre comme c'est maintenant, c'est séparé comme c'est séparé, puis eux ils vivent leur paix, moi je ne je peux pas aller tuer quelqu'un un enfant, un adulte qui n'a rien à faire avec la guerre, tout ça. Il avec est né là-bas, elle est là-bas. Pour moi, c'est une affaire de psychopathe. Il vit sa vie, il sait pas qu'est-ce qu'ils ont fait, ses, ses ancêtres, avant lui, pour créer tout ça, tu sais. Je, 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 je sais, tu sais, je, je, je suis pas faible, mais j'ai pas le, le courage dans moi d'aller tuer quelqu'un à cause des, de qu'est-ce que ses... C ses grands-pères, je ne peux pas faire ça je, parce que moi je, je, je connais la vie je, je regarde le monde, je sais que Poseidon il vit sa vie, ça n'a rien à faire avec ses parents, si son père a fait quelque chose à moi ça n'a rien à faire avec lui, moi je ne peux pas l'haïr je ne peux pas, puis je sais que si on, on parle un peu puis on commence à comprendre, c'est là où la ligne doit être drawn. je ne peux pas me venger, on peut se parler, on peut comprendre qu'est-ce qui est es arrivé pour essayer d'éviter que, que ça revienne mais de me venger après lui, parce que son grand-père a fait. C'est fou, bro. Il a rien fait. Lui a jamais. Il laisse un col. Il fait. Il a rien fait. C'est fou de, de penser comme ça. C'est la haine. Tu sais, on doit se calmer un peu. C'est sinon ça arrête jamais. On va être ici. Il va y Il va avoir une autre podcast dans 100 ans. Ils vont parler du même affaire. C'est on doit se calmer un peu pas juste un peu même. mais tu, tu c'est juste je m'excuse pour euh, créer non j'aime ça j'aime ça j'aime ça, ça. C est, c est, c est, pour moi c'est vraiment de la passion parce que je sais dedans moi moi pour ça ça va me tuer si, si, de faire ça à quelqu'un si tu dis, hey, tu peux avoir euh, tu la Constantinople t'sais, qui est maintenant le symbole, tu peux l'avoir mais on, tu dois sortir tout ce monde là les tuer puis tout ça je peux pas le faire je peux pas dire, ils n'ont ils ils, ils ont rien à foutre avec qu ce qui s'est passé. Ils ont leur vie là-bas, ils habitent là-bas, ils ont leur, leur famille, puis tout ça. Je ne peux pas faire ça à quelqu'un. C'est un une autre, espèce, une autre être humain. Je ne peux pas faire ça. Mais c'est ça le problème, c'est on dit que ces gens-là sont déconnectés. Mais c'est toujours des politiciens, ils te fanatisent, ça, ils te disent oh, ils ils veulent tuer lui, il a ça lui il y a ça. Lui, <coughs> ta, il, sais, mais si on se calme un peu, bro, on peut négocier un peu, trouver des affaires. Parce qu'il y a trop euh, Il y a trop de pays. Il y a trop de pays dans le monde maintenant qui ont des ressources, qui n'ont même pas le droit à, à, comme, à vraiment avoir accès à leurs propres ressources pour grandir leur pays. Alors la raison pour laquelle il y a plein de places où chicanes puis il y a des batailles, parce qu'ils n'ont même pas accès à leur propre, leur propre nature pour euh, développer leurs ressources. Il y a plein de crossages qu'on fait. C'est normal qu'ils soient en tabarnak. Mais, mais dis... c'est pour ça que je dis, parce qu'il qu y a du crossage, c'est pour ça qu'on ne peut pas négocier, il y a toujours du crossage. Comment on pourrait régler ça? Oswald, well. oh c'est pas, c'est bon. pas facile, oh, ça bon, va pas le régler, ça ça va toujours exister non, la dominance. Mais c'est juste triste parce que là on dit que tu dis ça puis c'est tellement honnêtement c'est tellement beau la façon que tu le dis parce que c'est tellement fucking fucking real je trouve ça comme fuck fuck. Là dessus on va aller sur le le Patreon là mais mais real talk parce que tu viens de drop live à la fin man. Je m'excuse. Non y a pas d'excuse c'est quoi ce parle. Parfait, mec. Moi, j'ai adoré. C'est pas le type de podcast, c'est juste pour sentir ça. Le temps d'une mousse, c'est le temps d'une mousse. On, on jase la titre. Cool, cool. Si ça tombe là-dessus, ça tombe là-dessus. Sur ce, guys, merci de m'en là. On s'en va vers le Patreon. Dans le Patreon, je sais pas, je pense que je vais vous poser une coupe de questions vraiment connes. Fait que ça reste de... Ou peut-être qu'on va partir dans la guerre, je sais pas, man. On va voir. À suivre. Never know. Merci. Preach dans le spot. Pantalus et Poseidon, shit is going crazy. C'était de la bonne. Damn. Et puis, uh, guys, merci d'être passé. On s'en va dans le Patreon. On se voit dans pas long.